L'heure est grave. 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 Les gars, l'heure est grave. L'heure est grave. Merci pour tous ceux qui viennent de TikTok. Je vous demande s'il vous plaît de mettre les cœurs. Je vous demande s'il vous plaît de mettre les cœurs et de partager la vidéo. Je vous demande de mettre les cœurs et de partager la vidéo parce que l'heure est grave. 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 Les gars, c'est grave. L'heure est grave. Mettez les cœurs, partagez la vidéo s'il vous plaît. Rose, merci pour les étoiles. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs monter parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Test, test. L'heure est très, 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 très grave. Ceux qui viennent de TikTok, que Dieu vous bénisse. Je demande à tout le monde de mettre les cœurs et de partager la vidéo parce que l'heure est grave. L'heure est très, 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 très grave. L'heure est très, 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 très grave. J'ai mal dans mon cœur. J'ai mal, très mal, très, très, très mal. J'ai très mal, mais je suis obligé de parler. J'ai très mal, mais je suis obligé de parler. Les gars, partagez la vidéo. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas du tout les partages. Je demande tous ceux qui vont partager dans exactement 20 groupes. Tous ceux qui vont partager dans 20 groupes. Je précise. Tous ceux qui vont partager dans 20 groupes, m'amener les captures en inbox. L'heure est grave. Les gars, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Ouh, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté. Je veux voir les partages. Lorsque je vois les 5000 partages, je commence. Quand je vois les 5000 partages, je commence sur le direct. C'est grave. C'est grave. Bobby. Hein? C'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave, les gars. C'est gâté. C'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Tous ceux qui viennent de TikTok, précisez qu'on venait de TikTok. Les amis, je veux voir les partages. Je veux voir les 1000 partages, les 2000 partages. À 5000 partages, je commence sur le direct. À 5000 partages, je commence. C'est grave. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un comme ça. Et maintenant, voilà ce qui est arrivé, arrivé. Les gens parlaient, ce qui est arrivé. La rumeur qui avait été annoncée, voilà ce qui est arrivé. Les gars, mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, l'heure est grave. Et je dois parler fort. Et je vais parler fort. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra m'empêcher de parler. Toutes mes pages sont restreintes. À l'heure là, nous devons être minimum à 5000 personnes connectées. Mais je n'ai plus de pages. Toutes mes pages sont restreintes. Mais je vais me débrouiller avec ce que je sais faire. Je vais me débrouiller avec ce que je sais faire. Les amis, mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Parce qu'ils vont venir signaler le direct. Mettez les cœurs. Je veux voir monter les cœurs. Je veux voir monter les cœurs. Tous ceux qui vont suivre ce direct et qui vont le partager, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Écrivez simplement, mettez un seul commentaire. Mon général, je t'aime. Parce qu'ils vont venir tout à l'heure pour signaler le direct. C'est pour cela que je peux m'adresser à vous. Quel conseil on n'a pas donné à Bob Lee? On a parlé. Voilà maintenant. Je n'ai pas voulu parler. Mais je ne peux pas être le leader des réseaux sociaux. Ils ont commencé à signaler le direct. Vous avez vu, c'est coupé tout à l'heure. Ils ont commencé à signaler. J'ai peur pour ce direct là. Ah, j'ai peur. J'ai peur, mes amis, j'ai peur. J'ai peur, ils ont commencé à signaler le direct. S'il vous plaît, regardez, chez moi-même, c'est bloqué. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs comme ceci. À 5000 personnes, je commence à parler. Mettez-moi les cœurs comme ça. Tout le monde, ce soir, je mets la somme de 3 millions de francs CFA. C'est-à-dire 4500 euros. Que j'offre. Où est ma carte bancaire? Nous allons prendre le soin d'envoyer jusqu'à 3 millions à ceux qui vont partager dans moins. Celui qui partage plus obtient plus. Vous venez ici, vous faites ça. Pompez-moi les cœurs d'abord. Mettez les cœurs. Ici là, cliquez partager. À droite, là, vous voyez, ils ont mis ici groupe. Regardez là. Je réponds. Mettez ici les cœurs pour sécuriser le direct. Pompez les cœurs pour sécuriser le direct. Bipez-moi Emmanuel Keïta. Je veux voir taguer Emmanuel Keïta. Appelez mon maman Tina. Appelez Love Dudu. Celle qui a enlevé son caleçon pour maudire Bob Lee. Je veux la voir.
s'il vous plaît. Emma Louès, dont Bob Lee traitait de vendeuse de drogue. Je veux tous les voir, les amis. Tant que je ne vois pas les 6000 personnes connectées, je ne parle pas. Pompez-moi les cœurs ici, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Venez ici, cliquez ici, partagez. Vous voyez à droite ici, là, ils ont mis groupe. Cliquez ici dans groupe. Là, vous allez voir la liste des partages. Chacun clique ici. Vous partagez comme ça. Tu partages, tu fais les captures. Tu partages, tu fais les captures. Tu partages, tu fais les captures. Une fois que tu as fini les captures, tu m'amènes en inbox. Ici, sur ma page Facebook, vous m'amenez en inbox. Celui qui partage plus, nous allons retenir exactement au moins 30 personnes à qui nous allons partager les 3 millions de francs CFA. Quand le général dit, le général fait. C'est vrai, il y aura par exemple 100 personnes qui vont partager. Mais parmi les 100 personnes, nous allons sélectionner exactement autour d'une trentaine de personnes pour remettre le don. Parce que je veux parler. Je veux parler parce que le regard, où est Bob Lee? Bob Lee est où? Bob Lee est où? Tout le monde parle, tout le monde panique, ils ne savent rien, ils parlent, ils ne savent rien, ils parlent. Nous, on contacte sa famille. On parle avec ses parents. Même sa femme qui est aux États-Unis, on parle. Mais ce soir, je vais m'adresser à tout le monde et je vais dire la vérité. Rien que la vérité. Je veux voir quelqu'un et que mon général révèle. Les amis, je veux voir les 5000 personnes. Tant que on est à 3700. Tant que je ne vois pas les 5000 personnes, je ne dis rien. C'est clair. J'ai vu un maudit qui est venu commenter sur ma page. Ah oui, Bob Lee, là, ça doit vous servir de leçon. Vous, les soi-disant influenceurs, là, vous allez finir comme Bob Lee. Mon ami, c'est ta maman qui a fini comme Bob Lee. C'est ton papa qui va finir comme Bob Lee. Mais je ne suis pas ton ami. Celui qui va te vous amuser, je ne suis pas dedans. Voici, je vais être clair et net. Celui qui va te vous amuser, les petits blogueurs qui mangent l'argent de Facebook, là, allez sur mes pages, il n'y a pas monétisation. Je parle avec mon cœur. Tu t'amuses, moi, et te mettre à ta place. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je veux voir les 5000 partages. On est à combien de partages? Permettez-moi de vérifier, nous sommes à combien de partages? On n'est pas là pour s'amuser. On parle de la vie d'un être humain. On parle de la vie de quelqu'un. Adam en classe 6C, voilà. C'est Adam 6C, comme menteur. Là. Mon petit, il ne faut pas prendre tout le monde pour ton papa. Ton papa a menti à ta maman, il a enceinté ta maman. Voilà, toi, tu n'as pas d'avenir aujourd'hui. Si à ton papa, tu dis menton, comprends. Mais moi, Makoso, quand Makoso dit Makoso, il faut te calmer, petit. Odia, il a allumé comme je n'ai jamais allumé dans un direct. Je vois les 5000 personnes connectées. Regardez là, nous sommes à 1500 partages. Au lieu de 5000 partages. Ça veut dire ici, ce sont des traîtres qui me suivent. Ce sont des Judas qui me suivent. Ce sont des traîtres et les Judas. Rien dit, tu as peur, on dit Makoso. Attends d'abord, il te bloqué d'abord. Parce que les maudits ne parlent pas ici sur ma page. Voilà. Il faut quitter là rapidement, rapidement. Tata l'indique, Makoso a peur. Makoso, moi. Quelqu'un dont il a tué sa femme. Les gens m'ont dit que je vais mourir dans une semaine. Les soi-disant pasteurs Bab Jaune, pasteur Etienne, le plus maudit de tous les pasteurs, qui a prophétisé que moi j'allais mourir. Je suis encore là. 3 ans plus tard, je suis encore là. Tous ceux qui ont parlé de l'accusation de Makoso qui allait tuer sa femme, ils sont aujourd'hui. Tous ceux qui m'ont accusé en disant Makoso a tué sa femme, je vous pose la question ici. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? On les cherche. Ils sont où? Oh, attends. Comment il s'appelle même? Voilà le son des safaris qui me plaît. Ils sont où? Ils n'ont qu'à venir parler maintenant. Que Makoso a tué sa femme. Makoso. Ils sont où maintenant? Ils ne parlent plus. Ils sont où? Tous ceux qui ont accusé Makoso aujourd'hui, ils sont où? Je suis là, ils sont morts. Je ne suis pas ton ami. Pas t'amuser à moi, petit. Tu t'amuses à moi, tu as pas un balle perdu gratuitement. Je veux voir les 5000 partages. On est à combien de partages? Je vérifie. Nous sommes à 1800 partages. 1800 partages. Tant que je ne vois pas les 5000 partages, je ne dis rien. Je vous montre comment partager. Vous mettez ici les cœurs, mettez, pompez ici les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite ici, regardez là. Partagez dans le groupe. La liste des groupes apparaît ici. Chacun partage. Je mets ce soir la somme de 3 millions de francs CFA pour tous ceux qui vont partager ce direct. Parce que l'heure est grave. Nous avons perdu, comment il s'appelle, Kabel Nangui. Les influenceurs sont en train de mourir. En train de mourir comme des poulets. Excusez-moi du thème, mais il faut que je parle. Les influenceurs sont en train de mourir comme des poulets. Et j'ai mal. Permettez-moi de dire la vérité. Rien que la vérité et seulement la vérité. Nous sommes à combien de partages? Moi, j'ai un quota que je dois atteindre. Tant que je ne vois pas les 5000 partages, je ne parle pas. Nous sommes à 2000 partages. 2000. 2000.
Toi, tu viens qui Bob, il est vivant là, tu l'as vu. C'est ta grande mère qui est allée le voir en sorcellerie. Arrêtez-moi vos bêtises, hein. L'heure est sérieuse. Le sujet est sérieux. On n'est pas ici comme des coqs morts. Nous ne sommes pas ici pour venir nous amuser. Depuis que cette affaire de Bob a commencé, tu as entendu Marcos parler, je ne me suis adressé à personne. D'abord, permettez-moi de bloquer tous les commentaires. Voilà, attendez d'abord. Personne ne va commenter. C'est parce qu'il laisse les gens commenter qui pensent qu'on est des camarades. Non, 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 personne ne commente. Je vais débloquer les commentaires lorsqu'on sera au quota des partages. Laissez-moi bloquer d'abord les commentaires. Pas de commentaires. Ici, on n'est pas là pour s'amuser. Ce direct n'est pas un direct de jeu. Ce direct, c'est la vie de quelqu'un qui est engagé. C'est une famille qui nous écoute. Ce que je vais dire pour m'amener en prison. La famille de Bob Lee peut aller porter plainte contre ma personne. Donc on n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour être distrait par les commentaires. On n'est pas là dans un jeu. On vous parle de la vie de quelqu'un. On nous parle de la vie de quelqu'un. Donc on n'est pas là pour un jeu. Celui qui est là pour s'amuser, dégage. Je veux voir les 5000 partages. Mes amis, voici le direct. Pompez les cœurs ici. Le direct commence à être attaqué. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. Voici à toi, regardez là. Là, ils sont mis partagés dans le groupe. Vous cliquez ici. Voici la liste des groupes. Chacun partage. Je veux voir chaque personne partager. Je veux voir chaque personne partager. Sinon, ce direct, je ne le fais pas. Parce qu'on m'a demandé, général, tu dois parler. Tu es le seul qui dit la vérité qui peut parler. Et ce soir, je vais parler. Parce que l'affaire Bob Lee est une affaire sérieuse. Les Gabonais, est-ce que les Gabonais ont été tagués? Taguez les Gabonais qui viennent ici. Il y a débloqué les commentaires tout à l'heure. Parce que vous allez réagir. Et tout à l'heure, je vais ouvrir le téléphone pour que chacun d'entre vous puisse réagir sur le sujet. Taguez les Gabonais. Parce qu'ils ont été cités dans cette affaire de mort. Taguez les Gabonais parce qu'ils ont été cités dans cette affaire de mort. Taguez-moi les Gabonais, s'il vous plaît. Oh my God. Attendez, on attaque mon direct. Mon direct est attaqué. Je ne vois même pas les partages. Ils sont en train de saboter mon direct. Mystère des annonces et tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Ils sont en train d'attaquer mon direct. Voilà, je savais ça. Ça, je savais. Je savais que ce direct, ils allaient le saboter. Voilà, ils ont commencé à signaler le direct. Je vous ai parlé. Je viens de recevoir une notification. Vous ne partagez pas le direct. Je viens de recevoir une notification que le direct est attaqué. Je viens de recevoir une première notification. Ça, comment je vais faire ça? Ah. Mais je vais faire le direct. Peu importe, je ferai le direct. Mettez les cœurs, les gars. Le direct est attaqué. Mettez les cœurs. Mes chers parents, mes chers amis, je vous présente son image d'entrée de jeu. Je vous présente son image. Ils ont commencé à signaler le direct. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le voici. Celui qu'on appelle Bob Lee. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voici son image. On l'appelle Bob Lee. Certains, comme moi, c'est moi qui l'avais baptisé le gorille des États-Unis. Je lui avais donné un petit nom qu'on appelait Kong. Vu la qualité de sa laideur et de ses paquites. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des mauvaises nouvelles que je vais être hypocrite devant les gens et venir parler comme si je ne l'ai jamais clashé. Non. Bob Lee. Appelez-moi l'œuf du Dieu. Voici son dernier direct. Que tout le monde a baptisé le direct de la sorcellerie. Voici l'œuf du Dieu. Qui s'est mise en moi. Pour aller livrer l'âme de Bob Lee à l'esprit de mort. Appelez-moi Emmanuel Keïta parce que son nom est sorti dans cette affaire. Dans le dernier direct de Bob Lee, on peut bien apercevoir que Bob Lee n'a plus de bouche. Tout est gâté. On peut bien voir que Bob Lee est dans un état piteux. Les informations qui nous parviennent des États-Unis, les premières informations ne sont pas du tout bonnes et je vais vous les donner dans les détails.
Mais avant tout propos, j'aimerais qu'on puisse écouter une influenceuse, une blogueuse, parce qu'elle n'est pas encore à l'étape de l'influence. Les gens qui commentent l'actualité ne sont pas des influenceurs, ce sont les blogueurs. On va l'écouter. Écoutez-la bien. D'après ce qui se dit, d'après ce qui se raconte, Bob Lee est en effet très très malade et malheureusement, il serait actuellement enflé d'orgueil au point de ne pas reconnaître que c'est tout le mal qu'il a eu à faire aux gens qui est tout simplement en train de retomber sur lui. Aujourd'hui, les... Elle est dit, c'est tout le mal que Bob Lee a fait aux gens qui est en train de se retomber contre lui. Aujourd'hui, il y a une division parmi les blogueurs et les influenceurs. Certains soutiennent bec et ongle que Bob Lee est victime de la jalousie. D'autres disent, Bob Lee est victime de la malédiction. D'autres disent, il est malade, c'est normal. Tout homme peut tomber malade, ma cousine peut tomber malade. Il peut aller se soigner. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, ceux qui sont en train de mettre les têtes de mort, que la mort vous localise. Tous ceux qui mettent les têtes de mort, que la mort vous localise. Que l'esprit de mort qui est sur Bob Lee, elle va aller vous visiter. On va l'écouter. Je suis devant vous pour vous parler nettement de l'état de santé de Bob Lee, vous dire qu'est-ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui. Écoutez bien. Il ne va pas. Il souffre de quoi exactement et qu'est-ce qu'il doit absolument faire pour retrouver la santé? Parce que croyez-moi, c'est grave. Toutes ces personnes. La petite fille a son nez plat là. Elle aime donner des conseils. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ton camarade. Mettez les cœurs. Je veux dire que oui, j'ai parlé avec Bob Lee. Il va bien, tout va bien. Reviens-nous vite. Tu es un lion. Sachez écoutez que cette personne-là vous montre parce que effectivement, Bob Lee va mal. Alors les amis, pour commencer, depuis la genèse de cette histoire, vous le savez très bien, j'étais sortie il y a de cela une ou deux semaines pour vous annoncer que Bob Lee allait très mal. J'avais notamment fait part du fait. Lorsqu'elle faisait cette vidéo, les médecins au niveau des États-Unis pour la première fois. Je répète, pour la première fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis je ne vois pas mes directs là. Mais c'est grave ça. C'est grave ça. Au niveau des États-Unis d'Amérique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Les médecins les plus dangereux des États-Unis ne savent pas de quoi Bob Lee souffre. Ils ne savent même pas c'est quel type de cancer. On cherche, on fait les scanners. On n'arrive pas à détecter le monsieur souffre de quoi. Bob Lee est dans vrai pain. Maintenant, où il est? On parlera de ça aujourd'hui. Je ne veux pas aller dans les discours persuasifs de la sagesse humaine. Je ne veux pas que nous puissions être dans l'hypocrisie. Parce que ce qui fatigue le monde des influenceurs, c'est l'hypocrisie. Nous sommes des hypocrites. Même ceux qui viennent dire, Bob Lee, nous te soutenons. Ils attendent tous la mort de Bob Lee pour venir pleurer devant les réseaux sociaux dans le but d'avoir des likes. C'est la sorcellerie en plein jour. Mais vous savez, je n'ai pas d'amitié avec Love Dugu. Je n'ai pas d'amitié avec Madame Bleu Brigitte. Je n'ai pas d'amitié avec Emma Loès. Je n'ai jamais, on ne s'est jamais rencontré en privé. On s'est vu à des concerts, on ne s'est jamais parlé. Je ne la connais pas. Elle ne me connaît pas. On se connaît que sur les réseaux sociaux. Donc je peux être libre de parler. Emmanuel Keïta, je n'ai aucune affinité avec elle. Voilà. Elle dit je manque et je souffre d'un manque d'amour qu'elle a refusé aussi de me donner. Parce que j'ai besoin d'amour de venant. De comment il s'appelle Emmanuel Keïta, elle refuse de me donner de l'amour, c'est pas bien grave. Mes amis, dans la vie, on ne peut pas se réjouir du malheur de quelqu'un. Je remets les commentaires. Faut t'éteindre là-bas, toi, ton petit nez coupé là. Faut t'éteindre, je suis pas de bonne humeur. Tu as parlé, t'as allumé tout à l'heure. Je suis pas de bonne humeur. Celui qui s'amuse, il est mal allumé. Celui qui a s'amusé ce sujet, il est très mal allumé. Je remets les commentaires pour que vous ayez aussi droit à la parole. Mais je veux voir les batailles. Nous sommes à 7000 personnes connectées. Si 1000 personnes bataillent dans 10 groupes, ça fait exactement 10 000 batailles. Et je prophétise sur la vie de tous ceux qui sont connectés. Que l'esprit de mort ne puisse pas vous toucher en 2023. Vous vous rappelez, j'avais fait un direct, une vidéo où j'avais dit à Bob Lee, faut te taire, faut aller te soigner. Parce qu'il y a un esprit de mort qui plane sur ta vie. Qui se rappelle de cela? Je repose la question à tous ceux qui sont connectés. J'ai fait une vidéo où je disais à Bob Lee, il était assis dans une voiture. Et j'ai fait une vidéo et il dit, Bob Lee, il y a un esprit de mort qui est sur toi. Va te soigner. Toutes mes pages sont restées. Mais 7000 personnes sont connectées. Ok. Je pense que les petits blogueurs, les petits influenceurs puissent savoir qui est leur papa. Voilà. Les gars, qui se rappelle de ça? Je prophétise tous ceux qui sont en train de partager le direct. Que Dieu vous bénisse. Les commentaires maintenant sont ouverts. Qui se rappelle de la vidéo que j'ai faite où j'ai dit à Bob Lee, il y a un esprit de mort qui est sur toi. Va te soigner. On ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. On ne peut pas se réjouir
du malheur de quelqu'un. On ne peut pas se réjouir, comme je pourrais le dire, de la situation critique de quelqu'un. Je veux que vous mettez un seul commentaire. Vous tous. Un. Je vous demande de mettre les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez les cœurs ici. Mettez les cœurs. Tous ceux qui mettent les cœurs. Que la mort ne vous emporte pas. Que toute attaque de l'esprit de mort contre votre vie soit brisée. Tous ceux qui vont partager ce direct, vous cliquez sur partager. Voici le groupe. Vous mettez groupe. La liste des groupes est là. Tous ceux qui vont partager ce direct. Je donne 3 millions de francs CFA aujourd'hui aux meilleurs partageurs. Et que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager. Et que la mort ne puisse pas vous emporter. Tous ceux qui partagent ce direct, que Dieu vous bénisse. J'ai prévenu Bob Lee. Que ce soit en inbox. Que ce soit dans notre amitié. Quand lui, moi, il y a quand on parlait. Moi, Yaka, Bob Lee, on parlait. On formait un trio. Il se rappelle bien Yaka. On faisait même des conversations à toi. Je me rappelle un jour où Bob Lee était fâché contre Yaka. On a fait une conversation à toi, on a parlé. Sur l'affaire de Bleu Brigitte. Voilà, la maman. Parce qu'on l'appelle, c'est une maman. Faut lui donner ce qui est. Elle, félicitations à Poutou National qui vient de se faire baptiser. À partir d'aujourd'hui, Poutou est mon frère. Il appartient à Jésus, j'appartiens à Jésus. Donc, abat la jalousie, abat la sorcellerie. Nous sommes arrivés à un stade où nous devons maintenant être mûrs pour que la Côte d'Ivoire soit un, une et indivisible. Chacun dans son élan. Chacun dans son... On ne peut pas se réjouir du malheur de quelqu'un. Mettez beaucoup les cœurs, ça coupe. Mais vous savez, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Bob Lee, appelé aussi Don Giovanni, a détruit des vies. Soyons, ne soyons pas des hypocrites. On vient s'asseoir. Non, vous savez, quelqu'un est malade. C'est vrai, quand tu veux soigner la plaie, tu dois prendre le soin de la plaie. Là, quand tu veux la soigner, tu enlèves la peau morte. Parce que si tu soignes une plaie avec la peau morte, la plaie ne sera jamais guérie. Bob Lee est sorti, son dernier direct. Je vais vous montrer son dernier direct. L'erreur fondamentale qu'il n'aurait pas dû commettre. Son dernier direct. Oh, lui aussi, pour trouver sa page, c'est trop compliqué. Parce que lui aussi, sa page, c'est une page ténébreuse. Trouver page de monsieur là, c'est trop compliqué. Je vous jure. Tu tapes, mais tu ne vois pas. Tu tapes, tu ne vois pas. Tu tapes, tu ne vois pas. Son dernier direct, voilà. Tu ne peux pas voir sa page. Sa page, je ne sais pas. Oh, c'est trop compliqué. Trouvez pas de ce monsieur là, vraiment. Oh là 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 là. Attends, je vais mettre dernier direct de Bob Lee. Voilà, peut-être ça va sortir ici. Oh mon Dieu, ça sort même pas. Ça ne sort même pas. Ça ne sort même pas. Même son dernier direct ne sort pas. On tape même son dernier direct, ça ne sort pas. On tape même son dernier direct, ça ne sort pas. On tape même son dernier direct, ça ne sort pas. Bob Lee, on ne sait plus. C'est-à-dire, on ne le retrouve même plus. Voilà. Voici son dernier direct. Voici le dernier direct de Bob Lee. Depuis ces derniers jours. Et le février 2022, quand j'ai arrêté la cigarette, j'ai commencé à fumer la cigarette électronique. Écoutez, hein. Jusqu'en novembre 2022. Je suis obligé maintenant de vous le dire. C'est que la cigarette électronique, là, m'a presque bousillé la gorge. Ce qu'il dit, c'est un mensonge. Aucune cigarette électronique ne peut bousiller ta gauche. C'est pas possible. C'est la même gauche que Bob Lee prenait pour se concentrer, pour insulter les gens. Je vous le dis ici. Faut pas qu'on se mente et qu'on se dise une vérité. Aujourd'hui, je vous parle. Si on m'appelle pour dire Général Camille Makosso, il faut 10 millions de francs CFA pour que Bob Lee vive. Je donne les 10 millions. Sans état d'âme. Je le fais pour des gens. Je le ferai pour lui. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Où sont les blogueurs qui soutenaient Bob Lee? Où sont les abonnés de Bob Lee? Ceux qui l'encourageaient. Lorsqu'il venait s'asseoir mettre sa caméra pour déshabiller des mamans. Où ils sont? Ils sont où? Les blogueurs de Bob Lee. Bob Lee va dire la vérité. Bob Lee va t'attacher au Makosso. Bob Lee, où ils sont aujourd'hui? On dit Bob Lee. On ne sait plus où il est. Je vous dis où il se trouve Bob Lee. Ce soir, je vous l'ai dit. Mais il fallait depuis la Genèse. Bob Lee a ridiculisé des peuples. Rabaissé des femmes. Et quand tu les donnes, non, vous n'avez plus besoin de parler de ça. Ce que vous faites, c'est méchant. Frère, qui a été méchant sur les réseaux sociaux? Sur les cœurs, mettez-moi les cœurs. Qui a été l'homme le plus mauvais sur les réseaux sociaux? Disons-nous la vérité. À un moment donné, là, asseyons-nous et disons-nous la vérité.
Dans le cas de maman Tina Spencer, mère de DJ Arafat, qu'est-ce qu'elle a fait à Bob Lee? Le monsieur a ridiculisé cette femme jusqu'à dire que lui a pris son doigt pour mettre dans le sexe de cette femme dans un bar. Ce monsieur s'est levé dire que c'est elle qui a tué son fils parce qu'elle était jalouse de la gloire de DJ Arafat. Cigarette en main, torse nu tous les soirs. Et ses abonnés partaient l'applaudir. Bravo Bob Lee, tu es un chef. Il a humilié cette femme dans sa douleur. Deuxième cas, maman bleue Brigitte, on n'en parle pas. Parce que là même, lui-même, il a voyagé à son âme, il est revenu à son âme, revoyagé, jusqu'à rentrer dans l'intimité de l'accouchement des Apuchou. Qui l'a fait? Bob Lee. Prenons le cas de coach à mon shit. Qui est venu monter l'image d'un vigile sur les réseaux sociaux? Insulter le mari de... La dame ne le connaît pas. La dame ne l'a jamais vu. La dame ne l'a rien fait. N'ayons pas la mémoire à ce coup. Disons-nous la vérité. Rien que la vérité. Que la vérité. Qui a humilié coach à mon chico? Qui l'a ridiculisé jusqu'à la rabaisser à l'état zéro? Qui a saboté son émission? Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas si l'émission va répondre encore sur Live TV. C'était qui? Rappelez-vous, quand on vous dit tout ce qu'on sème sur la terre, on moissonne. Des gens pensent que c'est amusement. On s'amuse. Rappelez-vous d'Emmanuel Keïta. La pauvre Emmanuel Keïta. Qui a déshabillé Emmanuel Keïta jusqu'à la moukou sur les réseaux sociaux? C'est Bob Lee. Qui l'a humilié jusqu'à la rabaisser comme on ne rabaisse pas une femme? La tiennit de tout. Vous vous rappelez? N'ayez pas la mémoire courte. Montrez-moi une seule bonne action. Je dis bien une seule bonne action que Bob Lee a posée sur les réseaux sociaux. Il n'y en a aucune. Disons-nous la vérité. Merci pour ceux qui envoient les étoiles. Il n'y en a aucune. Aucune bonne action que Bob Lee a posée depuis qu'il est sur les réseaux sociaux. Même le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, l'a insulté. Le président Henri Colombidé l'a insulté sa maman. Vous voyez me parler de quoi? Soyons honnêtes. Flor de Lille, la Camerounaise. Il a récupéré le clitoris de cette femme. Il a joué son pétou. Il a jonglé le pétou. Il s'est assis. Il a pris le clitoris de Flor de Lille. Et puis il a jonglé le clitoris. Il a shooté, ramassé tous les clitoris des femmes camerounaises. Jonglé ça. Humilié toutes les femmes du Cameroun. Les traitant de prostituées. N'ayons pas la mémoire courte. Qui est à l'origine? Bob Lee. Mesdames et demoiselles et messieurs, souvenez-vous de la fille burkinabé qui avait lâché sur les réseaux sociaux. Elle était au Burkina. Bob Lee a expliqué jusqu'à comment il a baisé cette fille. Chez lui à la maison. En prenant le sein, il dit comment elle était sale. Il y a des choses qu'on ne fait pas sur une femme. Allons en profondeur. Après la femme burkinabé, on va maintenant aller en profondeur. Et je vais vous donner l'origine de d'où vient l'esprit de mort. L'esprit de mort qui est sur Bob Lee, ça ne vient pas de Love Gugu. Non! Love Gugu et Bob Lee, c'était malédiction contre malédiction. C'était des lancements de sort. Elle lance Bob Lee sans côté habit traditionnel, il lance. Mais quel a été l'acte qui est en train de... Oh my God, qui a emporté Bob Lee? Quel a été l'acte? Ayez le courage. Quand Dieu tient un bloqué là, faut avoir les couilles, faut avoir une paire de couilles, une bonne paire de couilles pour venir dire la vérité aux gens. Et je vais vous dire aujourd'hui la vérité. Madame Love Gugu, un matin nous nous réveillons, son fils bien portant, fierté de sa couronne. Comme il s'appelle son fils à son nom. Oh, Julien bien quoi là. Merde, son nom va revenir. La femme, malgré son histoire de Lélé, que je n'accepte pas aujourd'hui ni demain, mais c'est sa vie, c'est sa sexualité. Même si je sais que toutes les lesbiennes iront à l'enfer. Tous les PD iront à l'enfer. Ça, je le confirme. Mettez les câbles, ne pas qu'on signe le direct. Ils iront à l'enfer. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Rendre à eux. Bref. Mais je ne suis pas là ce soir pour juger la sexualité ni le clitoris de l'homme Gugu. Sa langue a le droit d'entrer où elle veut. C'est sa langue à elle. Bref. Elle peut l'appeler si elle veut de 8h à 12h, de 12h à 20h. Sa vie à elle. Je ne la juge pas. Mais la femme était aimée quand on voyait ses enfants. Quand les gens voyaient son fils
une femme qui a élevé son fils jusqu'à ce rang, on mérite de l'encourager pour dire, madame, tu es une femme. Tu n'es pas le père, tu es une maman. Oui. On ne t'appelle pas papa, on dit maman. C'est pas papa, c'est maman. C'est maman. Voilà, c'est maman. Voilà, l'œuvre de Dieu a élevé son enfant. Un matin, nous nous levons, l'œuvre de Dieu a perdu son enfant. Vous savez, même en guerre, même dans la guerre, il y a des événements qui arrivent et qui imposent un cessez-le-feu. Dans la guerre, c'est-à-dire que tu en guerre quelqu'un. Mais tu apprends que le président du pays est décédé, on fait cesser le feu. Parce que dans l'art de la guerre, il y a des règles. Dans l'art de la guerre, on ne tire pas sur un soldat qui est couché. Même dans la bosse, on ne frappe pas un soldat qui est à terre. Un combattant qui attend, on ne le touche pas. On attend qu'il se relève. On lui demande si ça va. Quand il dit je peux combattre, on dit alors allez-y. Mais on attend que l'œuvre de Dieu ait perdu son fils. Je crois son unique fils. Celui qui devait l'enterrer. Le fils de sa douleur. Nous n'étions pas présents quand l'œuvre de Dieu avait mis son fils au monde. Si elle a couché par césarienne, ou si ce jour elle a failli perdre ce fils, ou elle a failli perdre sa vie, parce que l'accouchement c'est la mort. L'œuvre de Dieu perd son enfant, tout le monde pleure, sauf un homme, Bob Lee. Dès voici l'occasion que lui a, il devient prophète de la mort. Il vient s'asseoir, l'enfant le met pas comme il soutait. Mince. Ah, maman. Bob Lee, tu as fait fort. Bob Lee, tu as fait fort. Petit, tu as fait fort, hein. La femme n'a pas encore enterré son enfant. L'enfant n'est même pas encore sous la terre. Deux opposants, deux, un chef d'État et son opposant sont en guerre. L'opposant meurt ou le chef de l'État meurt. Quand tu viens devant le corps, tout le monde fait comme ça. On s'incline devant la mort. La tradition africaine nous impose à respecter la mort. Le seul qui n'a jamais respecté la mort, c'est Bob Lee. Le seul qui n'a jamais respecté les douleurs, c'est Bob Lee. Le seul qui peut violer une fille, le peut venir démontrer qu'elle a fait violer, c'est elle qui viole, c'est Bob Lee. Il a déshabillé cette femme, humilié cette femme, comme on n'humilie pas quelqu'un qui vient de perdre son enfant, son bébé. Bob Lee s'est assis, ses blogueurs, ses abonnés, partaient le féliciter. Il dit bravo. Où sont ses abonnés aujourd'hui? Ils sont où? Ils sont où? Même cotisation, liquide, ils ne sont pas capables de le faire. Aïe. Frère, ceux qui t'acclament sur les réseaux sociaux ne t'aiment pas. Quand tu es dans tes bêtises, ceux qui t'acclament ne t'aiment pas. La fille aujourd'hui est devenue pratiquement folle. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'œuvre du Dieu qui est obligée maintenant de porter, qui est obligée maintenant de faire des choses qu'elle n'a jamais fait. L'homme Gugu est obligé d'enlever son caleçon en public. L'homme Gugu fait direct. Et elle enlève son caleçon. Pour maudire Bob Lee. J'ai vu des gens crier, ça ne va pas prendre. Bref, laissons l'homme Gugu. Le peuple gabonais. Le petit peuple de 2 millions d'habitants. Ils ne sont pas beaucoup. Ils représentent comme la commune de Yopougon gabonais. Je m'excuse, je ne vous insulte pas. Parce que la commune de Yopougon fait 2 millions d'habitants. C'est une commune des 10 communes d'Abidjan. Elle fait 2 millions. Une commune, 2 millions. Abobo fait 1 800 000. Ça veut dire que si on veut envahir le Gabon, dès demain, on envahit le Gabon. Mais mes amis, je vous donne un conseil. N'ayez jamais problème avec les Gabonais. Il ne faut jamais avoir affaire aux Gabonais. C'est Camille Makosso, je m'assois, je connais le Gabon. J'ai fait Libreville, j'ai fait Port-Gentil. N'ayez jamais un problème avec les Gabonais. Vous allez laisser votre vie. Les Gabonais viennent de perdre un enfant. Un bébé appelé Dina. Cette petite fille vient d'une famille modeste. Ses parents ont souffert. Ils ont amené leur enfant en Turquie pour que l'enfant étudie. Des Turcs maudits, racistes, sorciers, mercontés ont enlevé cette fille, sont allés la violer et tuer la fille. Les Gabonais pleurent. Ils disent au secours, notre enfant. Justice pour vider la justice. Tout le monde se mobilise. Les blogueurs, les influenceurs, un seul vient s'asseoir et dit non. Les Gabonais ne doivent pas pleurer. La fille était une prostituée. C'est normal que la fille soit tuée. Comment il s'appelle? Bob Lee. Le papa
date, la fille a été obligée de maudire Bob Lee le jour où on enterrait sa fille. Mes amis, il y a des choses dans le jeu, pas ça. Il y a des choses. Il y a, on est sur les réseaux sociaux là. On pense que la vie c'est l'amusement. Nous sommes dans le métier le plus dangereux au monde. La parole. On parle. On parle. On parle. Ici là, on est là, on parle. On parle. Le monde a été créé par la parole. Ce sont les Gabonais qui ont livré Bob Lee. C'est pas l'œuvre du Dieu. Chez les Gabonais là, ils ont un fétiche. Si tu as acté, allez demander aux Camerounais. Les Camerounais connaissent pas fétiche. Les Congolais connaissent pas fétiche. Le territoire le plus dangereux en matière de mysticisme, c'est le petit peuple. Ils font 2 millions d'habitants. Pourquoi les Camerounais n'ont pas envahi le Cameroun? Pourquoi la RDC n'a jamais envahi? Parce que quand vous êtes un petit territoire, là, rapidement, on vous envahit, on vous englobe. Et puis rapidement, on dit, bon, vous êtes sous tutelle de notre pays. Mais aucun pays n'a pu envahir, n'a pu dominer et n'a pu prendre le Gabon à cause de l'esprit des pygmées. Faites attention aux Gabonais. Bob Lee est allé insulter le chef de l'État du Gabon qui est malade. Lui, il insulte un président qui a fait un AVC. Lui, il ridiculise, il humilie ce pays. Mes amis, frères, ne venons pas nous asseoir aujourd'hui pour pleurer, pour dire, oh Bob Lee, bon rétablissement. Non, 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 non. Dites la vérité, Bob Lee. Bob Lee, réponds-toi. L'esprit de mort qui est sur toi, là, vient du fait que tu as... Ce que Bob Lee a fait, si je vous mets les marques, on te supplie, vous allez quitter ici. La petite Dina fille, tu vous regardez. Attendez, attendez, mais parlez de quoi? Attendez, 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 s'il vous plaît. Mais parlez de quoi ici? Mais parlez de quoi? Voici la petite Dina, cette petite fille, cette petite qui est allée en Turquie faire ses études. Cette petite qui allait faire ses études, cette petite Dina, qu'est-ce qu'elle a commis comme crime? Cette petite fille, regardez son visage. Innocent, Bob Lee a traité la fille là de prostituée. Bob Lee a traité la fille là de prostituée. Bob Lee est venu s'asseoir et puis il a traité la fille de prostituée. Que c'est normal que la fille là soit morte. Les gens pleurent. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Bob Lee dit, lui, pleure pas avec ceux qui pleurent. Il faut qu'on puisse dire la vérité à la maman de la fille. Parce que la maman elle-même, elle mangeait l'argent de la prostitution. Mes frères, ne venez pas me dire que ce qui arrive à Bob Lee, c'est une maladie simple. Non, parce que même les médecins ne peuvent pas démontrer. Par A plus B, Bob Lee même souffre de quoi? Même les médecins. Je vous parle aujourd'hui. Je vous le dis, là et maintenant. Là et le maintenant. Ne peut même pas nous dire de quoi Bob Lee souffre. On fait tous les scanners. Personne n'est capable de savoir. Tous les médecins disent on ne voit rien. J'ai parlé avec son frère. Il dit mon frère, ce que vous allez me dire, la dernière nouvelle qu'il a, c'est qu'on ne sait pas de quoi Bob Lee souffre. On ne voit pas. On ne sait pas. Personne ne sait. Donc son problème est alors un problème spirituel. Première malédiction, Tina Spencer a maudit Bob Lee. La maman d'Apoutou a maudit Bob Lee. Comment elle s'appelle? L'homme de Dieu elle-même, elle a enlevé son caleçon pour maudit Bob Lee. Où sont les abonnés de Bob Lee qui l'encourageaient, qui le partageaient la vidéo? Je ne parle plus. Je dois maintenant dire où il est. Je dois dire maintenant où Bob Lee se trouve. Partagez-moi la vidéo. Partagez-moi la vidéo. Dites des choses aujourd'hui. Mes frères, il y a des gens qui vont me détester après ce direct. Il y a des gens, qui sont en train de signaler le direct. C'est pour ça que je vous dis de mettre le cœur, de partager la vidéo, vous ne le faites pas. Vous êtes trop mauvais comme la tombe, méchant comme le palu. On ne peut jamais compter sur vous pour un combat. Vous êtes trop mauvais. Arrêtez ça, vous êtes trop mauvais. 8000 personnes, on n'a même pas 20000 partages. Vous pouvez faire ça. Tous ceux qui vont partager cette vidéo, je me mets à genoux devant Dieu et je prophétise que la mort prématurée ne vous touche pas. Que tout esprit de mort qui s'élève contre votre vie soit rabaissé dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que les paroles de malédiction lancées contre votre vie, à votre naissance, ne puissent pas vous toucher. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo. Vous vous rappelez de l'affaire Fabi? La petite Fabienne. La petite Fabi. Qui se rappelle d'elle? La petite Fabi était couchée au Maroc, violée. La petite montre son violeur. Bob Lee dit non. La petite là, on
l'a jamais violée. C'est elle qui partait Mougou avec les amis de son papa. Une petite fille, une enfante, de rien du tout. On va l'humilier, la ridiculiser. Bobli a été méchant. Toute sa vie sur les réseaux sociaux, ça a été la méchanceté, la sorcellerie. Voilà une Kimilo. Bon Dieu est avec toi, Bobli. Voilà vous qui l'avez encouragé. Continuez maintenant pour aller lui donner. Fille maudite qu'on appelle Kimilo. Que Dieu maudisse ton âme. Vous l'avez encouragé dans la bêtise. Voici maintenant la mort est à sa porte. Vous n'êtes même pas capable de cotiser. Vous là, si on dit aujourd'hui cotisation, même Moro, vous ne pouvez pas donner. Nous, on peut donner 10 millions. Est-ce que Makoso, tu souhaites la mort de Bobli? Jamais. Jamais. Mais il faut apprendre à dire la vérité aux gens. Souvenez-vous, mes amis, de Aya Robert, qui était même l'ami de Bobli. Un matin, Bobli se lève, il trouve que Aya Robert était une prostituée. Une femme qui vient d'accoucher. Bobli est sur son âme. Laissons Aya Robert. Emma Loès a fait quoi, Bobli? Bobli trouve que Emma Loès est une vendeuse de drogue. Donc vous qui venez dire soutien à Bobli, donc vous soutenez toute sa bêtise. Si vous aimez Bobli, la première des choses, c'est de mon frère, tu as zaillé, tu as déconné, tu as allé même au-delà. Toi là, en termes normatifs, tu en Afrique, on doit te chicoter pendant 24 heures. Aujourd'hui, voici la situation de Bobli. Malheureuse. Aux États-Unis, l'information que vous n'avez pas, je vais vous la donner. Aux États-Unis d'Amérique. Si vous n'avez pas cette information, moi je vous donne l'information. Aux États-Unis d'Amérique, écoutez-moi bien. Ne se soigne pas qui veut. C'est pas comme en France, hein, où le système social te prend en charge. Aux États-Unis, ils ne sont pas socialistes. Ils sont capitalistes. Aux États-Unis, c'est celui qui a l'argent qui se soigne. Tu n'as pas l'argent, tu meurs. Le traitement du cancer aux États-Unis, mes amis, peuvent te coûter toute ta vie, même l'université aux États-Unis. Pour financer l'université de ton enfant, il faut se lever matin de bonne heure. Si ce que je dis est faux, Américains, venez me contredire. Ceux qui vivent aux États-Unis, venez me contredire. Bobli est en train de payer aujourd'hui la malédiction du fléau Dina. Pour l'offre du dit, c'est au moins 25%. Les 85%, plutôt, les 75%. Mes amis, c'est Dina. Tous les Gabonais ont commencé à faire des rituels pour demander à maudit Bobli. Je regarde Bobli, je lui dis, mon frère, là où tu t'en vas là, moi j'ai déjà fait clash avec les Gabonais. Ils m'ont dit de ne pas faire un direct sur une de leurs artistes. Je me suis entêté, bande de conchels, son maudit Poco Placabeur a donné ordre que le petit peuple de 2 millions d'abonnés signale mon direct. Nous on est 26 millions en Côte d'Ivoire, ils ont coupé mon direct. Gabonais, si tu ne respectes pas quelqu'un, si tu n'as pas peur de quelqu'un, faut avoir peur des Gabonais. Voici maintenant Bobli. Je pose la question, mes amis. Le Cameroun avait fait quoi, Bobli? Pour qu'il était toutes les Camerounais de prostituées. Le Burkina Faso, combien de fois Bobli a humilié ce pays, ridiculisé ce pays. Chaque matin, il se lève à partir d'aujourd'hui. Je ne vais plus être dans les clashs. À partir d'aujourd'hui, c'est... voici son langage. Il n'a rien. Pour lui, tout le monde n'a rien. Lui, il a tout. Maintenant, pour se soigner, il n'a plus rien. Pour se soigner, Bobli n'a plus rien. Je vous dis ici et maintenant, depuis le dernier direct de Bobli, même ses parents les plus proches ne peuvent plus avoir accès à lui. Sa femme qui répondait au téléphone ne répond plus à ses... On va venir à ça, s'il vous plaît. L'élément déclencheur de la maladie de Bobli, il a été frappé par un esprit de mort venant du Gabon et aujourd'hui, on n'arrive même plus à détecter de quoi il souffre. Je réponds ici. Est-ce que je souhaite la mort de Bobli? La Bible dit, priez pour vos ennemis. Mais moi-même, Makoso, moi-même, depuis 2017, j'ai fermé une de ses pages. Bobli m'a accusé. Il a fait sa dernière vidéo. Makoso, c'est toi qui as tué ta femme. Si tu fais, on ne joue pas avec la mort, les enfants. On ne joue pas avec la mort, les enfants. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous croyez que vous êtes intelligent, les gars. Écrivez, je veux voir tout le monde écrire, je ne mourrai pas, je vivrai. Je veux voir tout le monde écrire, je ne mourrai pas. 5000 personnes qui vont partager cette vidéo et qui vont écrire, je ne mourrai pas, je vivrai. J'annonce sur votre vie que aucun esprit de mort ne frappera à votre porte.
Je le dis ici et maintenant. Je parle ici en ma qualité de prophète. Tous ceux qui vont écrire, je ne mourrai pas, je vivrai. Je prophétise sur vos vies que toute parole qui libérera, toute parole libérée contre votre vie pour animer l'esprit de mort retourne à l'envoyeur. Je le déclare au nom de Jésus qui est mort et ressuscité. Je reviens d'Israël. Frère, je reviens d'Israël. Je parle sur ta vie. Je vous mets ici au défi. Je donne mon numéro de téléphone WhatsApp. Les 5000 personnes qui vont m'écrire pour dire général, je veux ma prière de Jérusalem. J'ai dit, je vous regarde droit dans les yeux. La colère dans le cœur, ce qui arrive à Bob Lee, écoutez-moi bien, est sur la vie de plusieurs personnes. Et je vais le démontrer aujourd'hui. Ce qui arrive à Bob Lee, là, c'est sur la vie de plusieurs personnes. Nous serons assis ici. Eh Seigneur, je te demande pardon pour Bob Lee. Seigneur, je t'en supplie. Faut le convaincre. Le problème de Bob Lee, il est orgueilleux. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Je ne vois pas les partages, maman. Vous allez gâter le direct. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas du tout les partages. Je ne vois pas les partages. Je donne mon numéro de téléphone WhatsApp. Le voici dans ma main. Nous sommes à 700 messages. Regardez là. Nous sommes à 748 messages. Tous ceux qui sont connectés, je vous donne mon numéro de téléphone WhatsApp. 00225 07 48 79 85 85. Je répète. 00225 07 48 79 85 85. Et qui veut le quelque part? Les 5000 personnes qui vont m'écrire avant demain 6h, je vais vous amener la prière de Jérusalem. Une femme, sa fille était dans le coma en Italie. Elle a reçu la prière. Elle a fait écouter à sa fille qui est dans le coma. Sa fille s'est relevée. Le problème de Bob Lee, il est orgueilleux. Elle a qu'à prendre son téléphone. Allô, général, vraiment ça ne va pas. Prie pour moi. Je n'ai pas de haine. Bob Lee arrive. Je me rappelle une fois Bob Lee disait, oh, Makoso a frappé son papa. C'est-à-dire, moi, je suis assis. Et Bob Lee a passé toute sa vie à mentir, détruire la vie des gens. Des gens qui ont des familles, les familles les respectent. On prend la vidéo, on s'assoit, on dit voilà ce que ce monsieur raconte sur toi. Tu le connais? Je ne le connais pas. Et lui, il est couché chez lui aux États-Unis, dans son petit peignoir, avec sa cigarette. Et ses abonnés sont contents. Quand vous avez des abonnés maudits, quand vous avez des fans maudits, la seule porte qui vous envoie, à laquelle vous envoie, c'est l'abattoir. Ils ont livré Bob Lee à l'abattoir. Ils ont sacrifié la vie de Bob Lee. Personne n'a été capable de lui dire la vérité. Aujourd'hui, là, ses abonnés, répondez-moi, où est votre chef? Votre Bob Lee, il est où? Parce qu'on dit que des gens sont des fans, ils savent où tu es. On a vu les fans de DJ Arafat. Même si on disait qu'il fallait cotiser 1 milliard pour que DJ Arafat revienne en vie, ils allaient cotiser. Les femmes de Bob Lee, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Bob Lee est couché. Vous êtes où? Il est mort. Il est couché. Vous n'êtes même pas capable de pouvoir cotiser, même mettre en place une organisation pour soutenir Bob Lee. Ou envoyer quelqu'un chez lui, parce que son adresse est connue, on a donné son adresse partout. Personne n'est allé rendre visite à Bob Lee. Bande de bâtards spirituels que vous êtes. Que non, c'est notre gars. Le problème de Bob Lee est qu'il n'a rien. Il n'est rien. Il vit aux dépens d'une femme. Mais tu ne peux pas jouer avec l'orgueil de Bob Lee. Dieu n'est qu'à donner une petite santé à Bob Lee. Vous allez le voir sur les réseaux sociaux. Ils ont pensé qu'ils allaient me tuer. Mais est-ce que vous connaissez l'orgueil? Nous là, quand c'est gâté et empêté, on vient devant la nation. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Je vais vous dire aujourd'hui que Bob Lee est en train de payer le karma du pouvoir des paroles de malédiction. Je vais vous expliquer cela clairement. Parce qu'il ne faut pas seulement parler. Je rappelle, mon WhatsApp est ouvert. Tant que je ne vois pas les 2000 messages, je ne continue pas le direct. Je rappelle mon WhatsApp. 00225 07 48 79 85 85. Je bloque tous les commentaires. Ce n'est pas le moment de commenter. Vous allez m'écouter très attentivement parce que les commentaires viennent distraire les personnes sérieuses qui veulent écouter le message du général. Laissez-moi lever les commentaires. Je n'ai pas besoin de commentaires. Je vais vous parler. Je vais vous expliquer ce qui arrive à Bob Lee et comment vous allez éviter cela. C'est très bien d'écouter. Un matin, on va se coucher
on vient là dire tel blogueur. Regardez comment les blogueurs meurent. Il y a une petite la rose qui avait été arrêtée là. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils ont rendu un jugement qui lui permet de retrouver la liberté. Je vois les petits blogueurs sur les réseaux sociaux. Victoire, victoire, victoire. Victoire, quelqu'un a fait 8 jours en prison. Victoire. Quelqu'un t'a fait 8 jours en prison, tu crie victoire. La justice de Côte d'Ivoire ne va pas condamner un blogueur à 1 an ou 2 ans d'emprisonnement. Non, 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 non. Ils vont nous donner une leçon. Au moins 8 jours à la maca. C'est la plus victoire. Tu as limi. C'est la correction qu'on nous donne. Et quand on vient, on nous condamne soit à suicide, soit on dit, bon, on va te laisser, mais ne recommence plus autre. Parce qu'on estime que nous avons des familles. Parce qu'on estime que c'est une affaire de parole. Ce n'est pas un crime en tant que tel. Nous faisons attention, hein. Il n'y a pas de victoire. À partir du moment où tu as déféré la marque là, c'est la honte. C'est la honte. Je vais maintenant parler. Qui a tué DJ Arafat? Ce qui arrive à Bob Lee là, c'est petit. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez que ce qui arrive à Bob Lee va arriver à ta vie si tu t'amuses. Si tu t'amuses à ne pas m'écouter, je ne suis pas là pour parler à 7000 personnes ni 8000 personnes. Ceux qui sont déterminés à réussir vont m'écouter. Parce que ce qui arrive à Bob Lee, c'est la parole, vous savez. Je vais vous faire une confidence. Lorsque David a rencontré Goliath, la Bible dit, Goliath a dit à David, je vais couper ta tête et je vais le donner aux oiseaux du ciel. La Bible dit, David a répondu en disant, toi aussi je te tuerai, je couperai ta tête ainsi que toute la tête de tes soldats. C'était parole contre parole, la guerre de paroles, c'est ce qu'on appelle clash. S'il y a une chose qui détruit la vie de plusieurs blogueurs, de plusieurs influenceurs, ce sont les clashs. Les clashs, c'est malédiction contre malédiction. Tu es dans le faux, tu es un maudit, tu es un chien, tu ne réussiras pas, tu n'as rien. Ce sont les paroles. Parole contre parole. Celui qui a la parole la plus forte, pas celui qui n'a pas la parole la plus forte meurt. Raison pour laquelle DJ Arafat a été tué. Par qui? La parole de certains Ivoiriens. Je m'explique. Nous étions à la Coupe d'Afrique lorsque Seri Dié rate le pénalty. Arafat dit, mais sur sa page, je crois, ton maudit, ou bien tu as maudit quelque chose comme ceci. Le lendemain, tous les Ivoiriens ont commencé, la majorité des Ivoiriens, ont commencé à maudire DJ Arafat. Tu es un enfant maudit. Je me rappelle même d'un gars qui était à San Pedro, qui a fait une vidéo pour insulter DJ Arafat et sa maman. Ta maman, mais est-ce que tu sais où est ta mis au monde? On a maudit l'enfant, insulté l'enfant après la Coupe d'Afrique. Qui se rappelle de ça? DJ Arafat est mort combien de temps après? Moins de 2 mois. DJ Arafat est mort. Moins de 2 mois après, il est mort. La parole. S'il y a quelque chose qui est plus dangereux au monde, mes amis, c'est la parole. Pendant que je parle, tous ceux qui sont en train de mettre les cœurs et qui vont partager ce direct, je déclare que toute parole de malédiction qui a été libérée contre votre vie, toute parole de malédiction à votre naissance jusqu'à ce jour qui a été libérée contre votre vie, je prophétise que cette parole est annulée à partir d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans un jeu. Il y a aussi, oh my God, ah, la parole a un pouvoir illimité. La parole a un pouvoir illimité. Et aujourd'hui, il y a des millions de personnes, des Africains, qui ont échoué, qui ne peuvent pas voyager, qui ne peuvent pas se marier, qui ne peuvent pas avancer. Pourquoi? Parce que quelqu'un a parlé contre leur vie. Celui qui me dit, mon frère, je ne sais pas où tu es, mais mets les cœurs, pompe les cœurs seulement. Pompe les cœurs seulement, mets les cœurs. Mets-moi les cœurs, je veux voir monter les cœurs. Je veux voir monter les cœurs, maman. Je veux voir monter les cœurs. Cliquez ici, partagez. Tous ceux qui vont partager cette vidéo, mettez ici, partagez. Cliquez ici, partagez. Tous ceux qui vont cliquer, partager dans le groupe. Tous ceux qui vont partager cette vidéo, je prophétise sur vos vies que toute parole de malédiction libérée contre votre vie est annulée. Je le dis ici et maintenant. Je répète, il y a des millions d'Africains qui n'ont pas réussi leur vie, qui n'ont jamais voyagé, qui ne se sont jamais mariés. Parce que le jour de votre naissance, quelqu'un s'est arrêté sur vous et a parlé. Souvenez-vous, quand nous venons au monde, nos parents ont la culture d'appeler quelqu'un du village. On va laver l'enfant avec des feuilles. Si on le lave avec telle feuille là, l'enfant serait intelligent. Si on le lave avec ça là, l'enfant aura la force. On nous a lavé os de gorille. On nous a lavé toutes sortes de feuilles. Voilà nos vies aujourd'hui. Voici nos vies. Échec, blocage, malédiction. Pourquoi? Parce que la femme qui vient te laver,
n'est pas forcément l'ami de ta mère. Et pendant qu'elle te lave, tu es dans l'eau et elle parle sur toi. Or, l'eau est un émetteur très dangereux. La majorité des femmes gabonaises, la majorité des Ivoiriennes, la majorité des Camerounaises, Togolaises, Béninoises sont liées par ce qu'on appelle la malédiction incantatoire de l'eau. Parce que quelqu'un a parlé sur nos vies. Souvent, on nous parle, on nous amène au bord de l'eau. On fait des fétiches, on parle, on nous habille, on nous met les kaolets et on parle sur nous. Aujourd'hui, des gens sont en Europe, la parole les a rattrapés. Ils ne peuvent plus enfanter. Pourquoi? Parce que l'esprit des eaux est obligé d'agir dans leur vie. Mes amis, je vous dis ici, plusieurs n'ont pas réussi dans leur vie à cause de la parole de quelqu'un. Je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas ce que vous faites. Bob Lee est ce qu'il est aujourd'hui. Et dans cet état, parce que les Gabonais, parce que Love Yugu, parce que Maman Tila, parce que Emma Louès ont parlé à Dieu et ont maudit sa vie. Des pasteurs ont maudit Bob Lee. Je vous dis ici, si vous voulez arriver loin dans vos vies, si vous voulez atteindre des objectifs, évitez la guerre des paroles. Ton papa te maudit, il y a des gens qui suicident, il y a une femme qui nous suicide, tu t'appelles Corinne. Une descend Corinne, Floride. Ton père t'a maudit quand tu avais 14 ans, parce que tu as pris une grossesse. Et il t'a dit jamais tu ne vas réussir dans sa vie parce que tu venais de l'humilier. Aujourd'hui je parle. Toutes les hommes que tu rencontres, aujourd'hui tu as 3 enfants de 3 pères différents. Le Maya n'est pas dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un a maudit ta fille. Il y a des gens qui sont allés travailler dans des sociétés. Le directeur de la société a eu un conflit avec toi, il t'a maudit. Il y a des femmes qui ont été dans des relations avec des hommes. Et l'homme t'a dit, si c'est pas moi, jamais tu vas rencontrer un homme. Tu as été dans des relations avec une femme, tu as baisé son cœur, surtout vous les hommes. Il n'y a pas plus maudit que les hommes. Tu as baisé les filles, mougou les filles, mougou les filles. Aujourd'hui tu constates dans ta vie que tu ne peux pas garder 100 francs. Toute ta vie n'est qu'échec. Pourquoi? Parce que les filles que tu baises, après tu humilies, elles te maudissent. Elles disent, si ce n'est pas femme qui t'a accouché, toi là, tu vas réussir dans ta vie. Aujourd'hui, tu constates que ta vie n'est que zéro. Par qui tu passes, c'est zéro. Parce que quelqu'un a parlé sur toi. Même le monde a été créé par la parole. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, le monde dans lequel nous sommes a été créé par la parole. Et nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, ce qu'on dit a de l'effet. Qui a maudit ta vie? Je me mets à genoux devant Dieu. Je lève ma main vers le ciel, revenant d'Israël. J'ai été pendant 10 jours de jeûne en Israël. Pendant que je parle, mets ta main gauche sur ta tête. Je prophétise sur ta vie. Je déclare sur ta vie que toute malédiction prophétisée contre toi s'arrête à partir d'aujourd'hui. Celui qui partage cette vidéo, je ne sais pas où tu es, mais je prophétise sur ta vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la prière de Dieu, la prière mettait les cœurs, le direct est attaqué. Le direct est signalé. Regardez, chez moi-même c'est bloqué. Chez moi c'est bloqué. Mettez les cœurs. Actualisez, mettez les cœurs. Actualisez, mettez les cœurs. Pompez les cœurs pour sécuriser le direct. Pompez-moi les cœurs pour sécuriser le direct. Pompez-moi les cœurs pour sécuriser le direct, s'il vous plaît. Je vous parle ici avec mon cœur. Regarde ta vie. Nous sommes engagés dans 6 mois. 6 mois de l'année la plus bénie viennent de passer. Tu n'as même pas encore réalisé quelque chose de concret. Je vais te demander ce soir de faire une chose. Tu prends de l'eau. Ce soir. Tu parles sur cette eau. Dis à Dieu tout ce que tu veux obtenir. Lis ensuite le psaume chapitre 34. Et puis lave ton visage. Lave tes mains, lave tes pieds. Je te donne 24 heures. Tu vas m'appeler pour me rendre un témoignage. Mais, en Israël, après mes 10 jours de jeûne, au 3e jour, j'ai enregistré une prière que nous avons appelée avec les rabbins la prière de Jérusalem. Mes amis, je ne suis pas un pasteur parfait. J'ai mes défauts, j'ai mes faiblesses. Mais ça fait 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux. On m'a accusé de tout. Mais pendant 6 ans, on n'a jamais vu quelqu'un prendre un téléphone, faire une vidéo pour dire « Marco Sola, il m'a volé de l'argent. Marco Sola, il a prié pour moi, je n'ai rien vu. » J'ai pris un engagement depuis l'année dernière. Plus jamais être dans des clashs, ni dans des buzz inutiles. Même dans une actualité, je fais ressortir un enseignement. Le pouvoir de la parole. Mes amis, s'il vous plaît, à un moment donné de votre vie, vous devez vous aimer plus que tout. Je vous regarde droit dans les yeux et je vous pose une question. Qui veut réussir?
si je ne sais pas où tu es, mais si tu m'envoies simplement un message sur ce WhatsApp, ce téléphone, si tu écris en disant, général, je veux ma prière de Jérusalem, dans seulement 3 jours, la personne qui a parlé contre toi meurt. Dans seulement 3 jours, tout ce qui t'a été volé dans ta vie, tu les retrouves. Je ne suis pas, non, je ne suis pas parfait. Mais je me mets devant Dieu, si ce que je te dis, sur la vie de tous mes enfants que j'aime de tout mon cœur. On ne peut pas me reprocher mon amour pour mes enfants. Donc un bon père, on ne peut pas me reprocher ma générosité. Un homme qui a un grand cœur ne peut pas être un faux pasteur. C'est pas possible. C'est parce que les Africains n'aiment pas reconnaître la qualité de chacun. Le WhatsApp, je le donne maintenant. Je ne veux pas 3000 personnes. Je veux prier pour 2000 personnes avant demain 6h. Vous m'écrivez sur le WhatsApp. Je le donne, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Ta vie ressemble à un cauchemar parce que quelqu'un a parlé contre toi. Ça peut être une amie. Par jalousie. C'est levé, je lui ai dit, toi là, tu vas jamais réussir. Peut-être tu es sorti avec le mari d'une femme. Elle a dit, tu vas jamais enfanter. Aujourd'hui là, tu es marié, même pour avoir un enfant. Plutôt, prends le numéro qui va changer ta vie. La prière de Jérusalem a déjà sauvé la vie de plus de 7000 personnes depuis mon pèlerinage en Israël. C'est le 00225. Je répète, 00225. 07. Prends-le, s'il te plaît. 00225. 07 48 79 85 85. Je réponds calmement. Vous tous, même si tu ne m'aimes pas, même si tu n'es pas d'accord avec moi, regarde seulement à ta vie pour dire, ça ne me coûte rien d'essayer. Rien. Ça ne te coûte rien. Ce WhatsApp que je donne est le seul WhatsApp que j'utilise actuellement. N'appelez pas dessus. Envoyez seulement un message sur le WhatsApp 00225. Ensuite le 07. Ensuite le 48. Ensuite le 79. Ensuite le 85 85. Je réponds 00225 07 48 79 85 85. Cet activateur que je vous présente ici, cet élément est appelé la myrrhe. Quand Jésus est né, l'un des premiers cadeaux qu'on lui a remis était le parfum de la myrrhe. Cet élément que je vous présente m'a coûté 15 000 euros pour en avoir 500. Dieu m'a dit, le samedi 1er juillet, je vais le remettre gratuitement à 500 personnes au niveau de la France qui veulent percer dans le domaine des finances, qui veulent percer dans le domaine des mariages, qui veulent percer dans le domaine du titre de séjour. Je vais le remettre gratuitement. Quand le général dit, le général le fait. L'adresse du programme, c'est 22 rue Pierre Grange, 94 120 Fontenay-sous-Bois. Je répète, c'est ce le samedi 1er, le samedi de la semaine prochaine, à partir de 10h. Non seulement je vais prier pour toi, ensuite te remettre ton cadeau. Tous ceux qui sont de la France, envoyez-moi un message sur mon WhatsApp. Général, je veux ma prière de Jérusalem. Tous ceux qui vont m'écrire pour la prière, je vous offrirai aussi gratuitement mon livre sur les secrets de la réussite. Parce que nous sommes arrivés à une heure où la parole de quelqu'un contre toi doit s'arrêter. Celui qui a parlé contre ta vie doit mourir. Je ne sais pas où tu es, mais répète après moi. Je refuse de mourir. Vous savez, un homme dans la Bible appelé David connaissait la puissance de cette parole. Je vais vous la montrer. Oh my God. Je vais vous la montrer. Quand vous prenez le livre de Psaume, chapitre 118, le verset 17. David connaissait le pouvoir mystique de la parole. Il dit, 1, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pourquoi David a fait cette déclaration? Parce que David sait que la vie... Aïe, 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 attendez, attendez. Attendez, je vais donner des révélations. My God. Aïe, maman, attendez. Me parler de quoi? Me parler de quoi? Vous me parlez de quoi? Aïe, 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 aïe. Vous me parlez de quoi? Aïe. Tendez là. Tendez, attendez.
attendait, il a révélé ça profondément. Proverbe chapitre 18, le verset 21. Proverbe chapitre 18, le verset 21. Mes frères, ne vous amusez pas avec les paroles qui sortent de votre bouche. La raison fondamentale qui fait en sorte que des milliers d'Africains n'ont jamais réussi dans leur vie, ce sont les paroles de mort, les paroles de malédiction qui sortent de leur bouche. C'est pour ça que vous voyez, les blogueurs ne sont jamais riches. Parce que tout ce qui sort de leur bouche, c'est cassement de papeaux. Venez, lui là c'est un menti, lui là c'est un temps. C'est pour ça que la vie est en arrière. C'est pour ça le lieu qu'on a trouvé pour eux maintenant, c'est la prison. Allez voir les blogueurs nigériens, ils construisent des châteaux. Allez voir les blogueurs ivoiriens, c'est la pauvreté. T'as dit la pauvreté, mais en un point fini. À cause de quoi? Nous faisons usage de la parole. Si tu es un blogueur, tu suis les réseaux sociaux. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est cassement de papeau. Je lui laisse. Tu vas mal finir. Parce que l'usage de la parole, je vais te le montrer dans la Bible. Écoutez-moi bien. Matthieu, chapitre 12, le verset 37. Appelez Gédéon. Parce que dans ces temps-ci, il y a vu des personnes qui refusent de donner leur vie à Jésus, qui ont fait des Gédéons maintenant leur père. Allez prier dans son église. Bande de bâtards spirituels. La Bible dit, Matthieu, chapitre 12, le verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Proverbe chapitre 18, le verset 20 dit, chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et sera rassasié de ses lèvres, de ce que ses lèvres ont produit. Mais quand nous retournons au commencement de l'humanité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Bible fait sortir une révélation dangereuse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fait. Dit, c'est la parole. Dit, c'est la parole. Vous savez, la langue qui prononce la parole, la langue qui prononce la parole est le seul instrument dans le corps de l'homme qui a le pouvoir de la création. Tout ce que tu dis se crée. Je répète encore, tout ce qui sort de ta bouche se crée. Raison pour laquelle, dans la Bible, il y avait une femme, elle n'était pas chrétienne. La femme tsunamite, elle n'était pas chrétienne. La Bible déclare qu'elle a perdu son enfant. Son mari lui posa la question, est-ce que l'enfant va bien? La femme a répondu, tout va bien. Pourquoi la femme a répondu de cette manière? La femme répondit, tout va bien. La raison qui fait que toi, ta vie n'avance pas, c'est parce que tu es bête. Chaque matin quand tu te lèves, la première des choses que tu sais faire, c'est de prendre ton téléphone pour appeler les gens. Allô, oui, tonton? C'est Raïssa. Tonton, ça ne va pas. Tonton, j'ai trop de problèmes. Calme-toi, s'il te plaît. Tu es trop bête. Permettez-moi de vous insulter. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu a créé tout cela. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toute chose a été créée par elle. Rien de ce qui n'a été créé a été créé sans elle. Mes amis, ne soyons pas dans l'enfantillage. Nous avons été créés à l'image de qui? Je remets les commentaires. Et je pose la question. Je pose la question. C'est maintenant que le direct va devenir intéressant pour ceux qui veulent réussir. C'est maintenant que le direct va devenir intéressant pour ceux-là même qui veulent réussir. Je pose la question à tout le monde. L'homme a été créé à l'image de qui? Répondez-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je bloque souvent les commentaires pour éviter les polémiques stupides. Je bloque les commentaires pour éviter les polémiques stupides. Nous sommes à combien de partages? Je repose la question calmement et posément. L'homme a été créé à l'image de qui? Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires, maman. Je pose la question ici. L'homme a été créé à l'image de qui? Répondez-moi, on va avancer. Répondez-moi, je ne vois pas les commentaires. L'homme a été créé à l'image de qui? Répondez-moi bien. Vous parlez de quoi ici? Vous venez discuter à Makoso. Pensez que je suis votre ami? Je ne suis pas votre ami. Nous sommes à 4000 partages. Mes amis, nous ne sommes pas à 10000 partages. C'est une honte. Tous ceux qui vont partager ce direct, je prophétise sur vos vies que votre parole n'aura jamais, la parole de quelqu'un plutôt, n'aura jamais d'effet sur votre vie. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez-moi les cœurs. Partagez la vidéo. Amenez cela à quelqu'un.
Tu vas sauver la vie de quelqu'un. Cliquez ici, partagez, s'il vous plaît, tout le monde. S'il vous plaît, les 1000 personnes qui partagent ce direct, je prophétise dans vos vies que dans 24 heures, l'Éternel vous rendra justice. Cliquez ici, partagez. Vous allez voir ici, groupe, là. Vous cliquez, partagez. Voici la liste des groupes. Que chacun partage. Que chacun partage. Donc, vous me dites que l'homme a été créé à l'image de qui? L'homme a été créé à l'image de qui? À l'image de Dieu. Question. Donc, l'homme est comme qui? Je repose la question. Si l'homme a été créé à l'image de Dieu, donc l'homme est comme qui? Je pose la question. Andrea, réponds-moi. L'homme est comme qui? Si tu es créé à l'image de Dieu, là, ça veut dire que tu es comme qui? Nous sommes des dieux. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Hé, hey, maman Langaï. Hé, hey, maman Langaï. Oh, maman Langaï, maman Langaï. Venez, 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 venez. Je vais vous montrer ça. Le psaume chapitre 82, le verset 6. Le psaume 82, le verset 6. Que dit la Bible? La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Nous sommes des dieux. J'ai le plaisir de vous informer que ce n'est pas Dieu qui a créé ça. Ce téléphone, ce n'est pas Dieu. Il ne sait même pas comment ça a été créé. C'est un homme qui l'a créé. Dieu a créé l'homme. L'homme a créé les cellulaires. L'homme a créé l'avion. L'homme a créé les satellites. L'homme a créé des choses. Parce que nous sommes des dieux. À partir de notre imagination, des hommes ont pensé à quelque chose. Et la chose a été matérialisée physiquement. Parce que nous sommes des dieux. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des dieux. Mais la Bible dit, cependant, vous mourrez comme les hommes. Pourquoi les Africains et surtout les chrétiens finissent mal et sont les derniers au monde? Posez-vous la question, Jean. Vous n'avez jamais posé la question. Les Africains et les chrétiens sont les champions de tout ce qui est négativité. Ils passent leur vie à raconter leurs problèmes. Tu prends tout de suite. Allô, posez-moi les questions. Vous pouvez appeler. Ils vont appeler. Allô, mon pasteur. Vraiment, bonjour. Mon pasteur, vraiment. Eh, pasteur, j'ai trop de problèmes. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand tu ouvres ta grande gueule, ta bouche là, ta grande bouche là, ta gueule en derrière la bouche de Makosso là, quand tu dis, j'ai des problèmes, tu viens de créer quoi? Je pose la question, répondez-moi s'il vous plaît. Dieu a créé l'homme à partir de la parole. Dieu a créé l'humanité par la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc quand toi tu dis, j'ai des problèmes, tu viens de créer quoi? Tu viens d'amener à l'existence quoi? Répondez-moi dans les commentaires. Quand tu dis à ton pasteur, quand tu te lèves le matin, tu dis, j'ai des problèmes, qu'est-ce que tu viens de créer? Tu viens de créer quoi? Répondez-moi dans les commentaires. Écrivez, je ne vois pas les commentaires. Écrivez, maman. Écrivez. Quand on parle de l'eau, il n'est pas pasteur, c'est un faux pasteur. Venez discuter avec ça. Quand tu te lèves le matin, tu prends ta vie, tu appelles ta camarade. Hey, ma camarade, mon mari m'a laissé, oh, mon mari ne m'aime plus, oh, mon mari est méchant, oh, mon mari est mauvais, oh, mon mari me trompe, oh, mes enfants sont bêtes, oh, mes enfants connaissent rien, oh, mes enfants sont nuls. Oh. Quand tu te lèves le matin et que Dieu a crié par la parole et que toi aussi tu as la même parole et que dès ta bouche tu ne fais que sortir les mauvaises choses, tu vas vivre les mauvaises choses. Car la Bible déclare, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi. La Bible dit en Proverbe chapitre 18, le verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Non, écrivez, mettez les commentaires. Dis mon général, tu es un bon pasteur. Non, écrivez ça. Dis mon général, tu es un bon pasteur. Vous aimez critiquer les gens. Le gars, si, 6 ans, jamais on est venu dire Marco soit escroqué une femme. Les gens parlent que tu as dit la peur, eux touchent un nez. Ne soyez pas comme ça. Mais mon général, je t'aime. Écris, mon général, je t'aime. Je vous parle ici. Le sorcier n'est pas ton problème. Le problème, c'est toi-même, ta propre bouche. Tu t'es tué. La femme a perdu son enfant. On lui dit, comment va l'enfant? Elle dit, tout va bien. On dit, Jésus dit, tout va bien. Malgré que son enfant est mort.
Imagine que c'était toi. Tu as perdu ton enfant. Tu as perdu ton enfant. Le seul enfant de ta vie. Maman, tel que je connais les Africaines. Venez, oh, mon enfant est mort. Mon enfant est mort. Se rouler, mettre charbon sur soi, danser toutes les danses de la sorcellerie. Vous avez tué votre mariage. Il y a des femmes qui sont ici là, qui ont tué le mariage. Parce qu'elles ont pris leur téléphone pour appeler leur copine. Allô? Oui, copine, là, ça va? Pff, mon chien de mari, là, c'est un bâtard, quoi. C'est un adulte, il me trompe. Tu es sûr, oh, moi, il te parle. Quand il vient, là, il sent l'odeur de parfum d'une autre femme sur mon mari, il me dit. Mon, il y a dit, mon mari me trompe. Oh, tu l'as vu, je ne l'ai pas vu, mais il te dit, je sens ça. Je sens ça. C'est-à-dire, elle prend son esprit de sorcellerie, de jalousie, pour une révélation. Un matin, maintenant, elle prend le téléphone de son mari. Je savais. Je savais. Voilà la preuve. Tu me trompes, ma chérie. Ton mari ne te trompait pas. Par ta parole, tu as créé l'esprit d'adultère. Tu as mis ça dans le corps de ton mari. Et puis, ton maudit plutôt placabeur, petite chienne. Ton maudit met ton corps dessus. Bande de petits bâtards spirituels que vous êtes. Après, c'est pas les fatigués de passer à l'église. Allô, pasteur, priez pour moi. Mon foyer est menacé. Mon foyer, ça ne va pas. Tout ce qui sort de leur gueule, là, ça ne va pas. Je n'ai rien. Tout va mal. Je suis en France. Ça fait 20 ans. Je n'ai pas de papier. Je suis malade. Gne, 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 gne. Un franc-maçon a rencontré Jésus. Oh, mes amis, écrivez mon général, je t'aime. Un franc-maçon a rencontré Jésus. Ce gars-là, c'était un centenier. C'est-à-dire un chef dans l'armée des Romains. Il a rencontré Jésus. Vous savez ce qui s'est passé? Dis mon général, révèle, je révèle. Oh, écrivez. Dis mon général, révèle, je vais te révéler ça propre. C'est pour ça, tous ceux qui ne vont pas m'écrire sur le WhatsApp. Pour dire mon général, je veux ma prière de Jérusalem. La prière de Jérusalem, ce sont des paroles de prière prophétiques contre le monde de la sorcellerie, contre l'échec dans ta vie que je vais t'amener. Faites sur la terre de Jésus. Personne ne peut recevoir cette prière et échouer. Ce n'est pas possible. Nous sommes actuellement à combien de messages? Nous sommes actuellement à près de 1000 messages. Tant que je ne vois pas tous ceux qui ne vont pas m'écrire sur ce WhatsApp, vous serez responsable de votre mort. Parce qu'à partir du 1er juillet, nous allons rentrer dans les mois de la mort. Les sorciers savent que dans ce mois de juillet, dans cette année 2023, tu dois recevoir ton mariage. Tu dois recevoir ta couronne. Ils vont lancer l'opération Tuons-le. Quand Jésus est né, du fait qu'il avait une étoile, quel est le décret qui a été pris? On doit le tuer. Tu ne sais pas pourquoi les gens veulent te tuer. Tu ne sais pas pourquoi les gens sont déterminés à te tuer. Pourquoi les gens veulent forcément te voir échouer. C'est parce que le jour de ta naissance, ils ont vu ton étoile. Tous les grands qui viennent au monde, on veut les assassiner. Moïse est venu au monde. On a tué tous les enfants nés sur une période de 2 ans. Mais la Bible déclare, là où le décret a été signé, en disant que Moïse devait être tué, la Bible dit c'est là-bas Moïse a été élevé. C'est là-bas Moïse a été nourri. C'est là-bas Moïse a été éduqué. Je me mets à genoux devant Dieu et je prophétise sur ta vie. Tous ceux qui ont signé un décret contre ta vie, tous ceux qui ont parlé contre ta vie, tous ceux qui ont déclaré que tu ne réussiras pas, je prophétise sur ta vie que ce mois de juin ne finit pas sans un témoignage de gloire, sans une percée de gloire, sans tes papiers, sans ton mariage, sans ton travail, au nom puissant de Jésus. Celui qui a parlé contre ta vie reconnaîtra la gloire de Dieu sur ta vie. Permettez-moi d'accélérer. Et que mon général accélère, j'accélère. S'il vous plaît. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est, on n'a pas dit la vie et la mort. On n'a pas dit ta réussite dépend d'un prophète. Arrêtez de chercher le prophète. Tous les matins, je cours. Quand moi je me lève tous les matins, c'est ici que je suis. Devant mon miroir. Je vous montre mon miroir, le voici. Je m'arrête devant le miroir, là, comme ça. Comme ça. Il dit Marco Sobui, c'est le numéro 1 des réseaux sociaux. Il a confirmé ça ce soir. Dossier Bobli, 8000 personnes connectées. Ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas concerné. 8000 personnes connectées. Allez dire aux plaisantins de cette terre. Je ne suis pas les amis. Je ne suis pas les. Je reste le chef des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je le dis. Général Marco Sobui, tu es le meilleur pasteur au monde. Tu vas marquer ton histoire et ta génération. Tu es le seul. Tu n'as pas église en France. Tu arrives en France, tu rassembles des milliers de personnes. Tu es un chef. Tu es né pour réussir. Jamais tu vas voir la négativité sortir de ma bouche. C'est ce que j'enseigne à mes enfants. Chaque matin, quand vous vous levez, parlez sur vous-même. Tu
Tu n'as pas besoin d'un prophète tous les jours. Alors, prophète, faut prophétiser un peu sur ma vie. Faut prophétiser. La Bible dit dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Il n'a pas dit que l'onction sera seulement sur le prophète, ni sur le pasteur. Il a dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair, sur tout le monde. Arrêtez vos imbécilités notoires. Arrêtez vos sorcelleries notoires. Arrêtez-moi ça. Quelqu'un dit, Marco, soirée, il va appeler Bab Jaune. Appelle Bab Jaune. Lui, le gelé d'un maudit. Bab Jaune, il est maudit. C'est pour ça que tu entends parler de lui maintenant. Il est mort, c'est fini, il est éteint. C'est quand dit quelqu'un meurt que lui sort. J'avais dit, j'avais prophétisé contre lui. J'avais dit que tous ceux qui ont soutenu Marco, il fallait qu'il aille déclarer dans ma belle famille. Là, il y a eu 4 morts. Il n'a pas vu ça. Hein? Celui qui dit qu'il est prophète, qui dit Marco, il va mourir, il n'est qu'à donner la date et le mois. Et puis c'est là, on va se tester. Parce que les gens parlent. J'ai même vu un pasteur sur. Excusez-moi, ça j'ai fait un griffe un peu. Sur la paille de Soulé de Paris. J'ai vu un pasteur. J'ai regardé ce monsieur Miari. Il dit, mais les gens sont encore dans ça. Oh là là, Soulé de Paris. B2. J'ai vu un pasteur sur la paille de Soulé de Paris. Je me suis mis à rire. Je me suis mis à rire. Attendez, s'il vous plaît. Attendez que mes nerfs commencent. Un pasteur, il sait quoi là? Sur la paille de Soulé. Oh, où il est? Voilà, celui-là. Celui-là. Lorsque l'Esprit de Dieu, qu'il m'a dit, c'est ici le deuxième et dernier avertissement de l'éternel Dieu à Alassane Ouattara. C'est-à-dire, quelqu'un met sa côte, son col pastoral. Il vient s'asseoir devant ses fidèles. Et il ment. Dieu m'a dit que c'est le dernier avertissement à Alassane Ouattara. C'est-à-dire le président même de ton pays. Le président de ton pays. Il faut être un pasteur maudit. Il faut être un homme de Dieu maudit, bâtard, spirituel, pour se comporter ici. La Bible dit, vous serez soumis aux autorités supérieures. Même David, quand il était roi, le prophète a eu une révélation qu'il a couché avec la femme d'autrui. Mais il n'a pas permis de dire, oh roi, montrez-moi un prophète dans la Bible qui appelait son roi par son nom. Ou qui appelait un chef d'État par son nom. Pour reconnaître la qualité d'un faux prophète, c'est par son impolitesse. Mal élevé. Nous recevons ce qu'on appelle un esprit de sagesse. Mais un prophète a venu s'asseoir, un pasteur rempli de joues, bête comme ses pieds, il vient s'asseoir. Dieu dit, c'est le dernier avertissement à Alassane Ouattara. Continuons. Je lui ai posé une question. Lorsqu'il m'a fait comprendre, m'a ramené ce qu'il m'avait montré en 2014, que le père de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, l'archevêque Coutois, avait relayé en 2020, disant au président Alassane Ouattara que sa candidature n'était pas nécessaire. Là encore, les mots étaient jaunes. Voici des gens dont Dieu ne parle seulement sur le président Alassane Ouattara, mais jamais sur les fidèles. Qu'on vienne me dire, moi, Camille Makoso, le président Alassane Ouattara quitte le pouvoir quand l'heure, le mois, et puis nous, on va tous s'asseoir. Parce qu'il avait dit, on reconnaît un prophète par l'exaucement et l'accomplissement de ce qu'il dit. Vous voyez, je vais vous dire une chose, c'est une parenthèse que j'ouvre pour attirer votre attention sur quelque chose de très important. L'Église catholique, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, et c'était petit pasteur mal élevé, sont en train de mettre en danger l'Église de Côte d'Ivoire, les chrétiens. Gbagbo était président de la République, ancien catholique, chrétien évangélique. On n'a jamais vu des imams venir s'asseoir pour dire, Dieu leur a dit que Gbagbo là, son pouvoir est ceci. Jamais. Jamais. S'il vous plaît, permettez-moi de m'adresser à vous et de vous dire la vérité. Jamais. Mais depuis que le président Ouattara, avant même qu'il soit président de la Côte d'Ivoire, numéro 1, il est l'antichrist. Numéro 2, c'est un sataniste. Numéro 3, c'est une formation qui vient. Dès qu'il est élu président, il va fermer toutes les églises. Dient, mes chers parents chrétiens, catholiques, évangéliques et églises traditionnelles. Parce que quand je regarde un peu, son truc est ici, là. Ce n'est pas un évangélique. Je vous pose une question. Depuis que le président Alassane Ouattara est président de la République, je vous pose une seule question. Combien d'églises ont été fermées en Côte d'Ivoire? Aucune. Depuis que le président Ouattara est président en Côte d'Ivoire, chaque année, c'est plus de 2 milliards de francs CFA qu'il donne pour que les mêmes pasteurs qui l'ont maudit hier se rendent en Israël.
les mêmes catholiques qui sont en train de parler là, ils se rendent à Lourdes, sous l'argent du président Ouattara, l'argent de la République. Il aurait pu le fermer. La cathédrale, elle a été rénovée sous qui? La basilique, elle a été rénovée sous qui? Depuis le président Félix Houphouët-Boigny, montrez-moi un seul chef d'État Côte d'Ivoire qui s'est rendu en Israël. Combien de chefs d'État se sont rendus en Israël pour renouveler l'alliance de la Côte d'Ivoire avec Israël? Combien? Pratiquement personne. Mais comme des gens mal élevés, des sorciers habillés en soutane qui viennent s'asseoir au lieu d'éduquer votre peuple. La seule chose qui vous intéresse, c'est le fauteuil présidentiel. Vous êtes en train de faire de l'église l'opposant du président Ouattara. On ne va pas vous suivre dedans. On ne va pas vous suivre dans cette bêtise. Parce que l'église n'a jamais été aussi heureuse sous un mandat que maintenant. On n'est pas persécuté. Il est musulman. Les musulmans nous empêchent de faire nos croisades. Jamais. Les musulmans nous empêchent d'évangéliser. Jamais. Les musulmans nous empêchent d'exercer notre culte. Jamais. Babo était président. On n'a pas entendu les imams. De, oh, Dieu nous a dit. Babo, tu vas tomber. Jamais. Il n'y a que les chrétiens, avant qu'il soit président. Dès qu'il est devenu président, c'est nous les mêmes. Dans 6 mois, Dieu me révèle, son mandat va finir. Dans 7 mois, le monsieur s'en va dans sa 15e année. Ayez pitié un peu de vous-même. Vous dites en 2014, Dieu vous a parlé. Vous avez dit qu'il ne serait pas président. Il est président. Vous avez annoncé à plusieurs fois sa mort. Il est encore vivant. Pendant que vous dites Seigneur Jésus, là, lui, sa femme est juive. Donc sa femme ne dit pas Seigneur Jésus. Elle dit mon frère Jésus. N'écoute pas ces petits plaisantins à 2 balles. Dieu ne vous révèle rien de vous-même, votre vie, des sorciers de votre village, de vos parents. La seule chose qu'il vous montre, c'est le président Alassane Ouattara. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. La Côte d'Ivoire doit arriver à un niveau où on doit avoir la petite humilité de reconnaître que jamais notre pays n'a connu de vrai développement que sous cet homme. On doit l'admettre. Si nous étions un peuple sérieux, on allait faire une journée de reconnaissance à cet homme. Il n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. Mais au moins, sur le plan de la sécurité, les Ivoiriens dorment et se réveillent en paix. On n'entend pas un bruit de canon. Sur le plan social, il y a beaucoup de choses à faire. Mais la plus grande richesse d'un pays, c'est la sécurité. On est en sécurité. Regardez au niveau du Mali, terroriste. Au niveau du Burkina, terroriste. Mais en Côte d'Ivoire, la paix. Que vous avez à la tête de votre pays un homme que Dieu a béni, ça découle sur le peuple. En Côte d'Ivoire, celui qui dit qu'il est au chômage, c'est qu'il ne veut pas travailler. Parce que toutes les conditions sont mises en place. Si tu te tapes la patrie, tu dis moi je me lève pour créer mon entreprise, tu réussis. Aujourd'hui, même ma fille de 19 ans a lancé sa marque. Elle travaille. Elle se bat. On a les réseaux sociaux. On a tout aujourd'hui pour réussir. Nous ne voulons pas réussir. Et les chrétiens, certains chrétiens, certains guides religieux chrétiens, veulent mettre l'église en opposition au président Ouattara. Nous n'allons pas vous suivre dedans. C'est quand on va commencer à se gifler dans ce pays-là que certaines personnes vont se taire pour aller prier. Notre rôle en tant qu'homme de Dieu, c'est de faire alléluia, amen, d'éduquer le peuple. Notre rôle n'est pas d'aller profiter sur le fauteuil présidentiel. Vous avez dit que Babou était l'homme que Dieu a choisi. Qui n'allait jamais tomber. Vous avez mis ce pays en guerre. Vous revenez encore à l'orée de 2025 avec vos mêmes sorcelleries. Que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous n'aime pas la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on en paix, vous voulez créer des révélations pour troubler le cœur du peuple. Si cet homme n'était pas un homme choisi par Dieu, il allait vous jeter en prison. Et même Moreau n'allait pas s'élever pour vous soutenir. Que Dieu vous maudisse pour votre méchanceté. Vous dites que le monsieur n'est pas bon. Priez pour lui. Vous ne priez pas pour lui. Soutenez la vie de prier pour les autorités établies. J'aimerais dire à tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, dans le mois d'août, je le dis ici et maintenant, fin août, nous allons organiser un rassemblement au palais des sports. Nous allons prier pour notre pays. Nous allons prier pour les institutions de ce pays. Ce pays en a besoin. Nous ne serons pas les opposants du président. Le pasteur n'est pas opposant. Sa mère comme ça. Celui qui vient le bénit. Quand il n'est pas là, il quitte. L'autre vient, il le bénit. Mais c'est nous qui allons nous mettre dans une position d'opposition. Sous prétexte de quoi? Mais quand le monsieur vous envoie en Israël, ne partez pas. Quand il décaisse 2 milliards par an, ne partez pas. Le seul problème que je reproche
au président Alassane Ouattara, et ça je vais le dire ici, je le dis, peu importe ce qui ça va me coûter, c'est du simple fait que jusqu'à cette heure, après 12 ans de pouvoir, le président Ouattara n'a jamais eu de rencontre avec les pasteurs évangéliques. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 22 000 pasteurs. Au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire, il faut un face-à-face parce qu'aucun chef d'État, Doufou Boigny, en passant par Henri Konan Bédié, en passant par Guy Robert, en passant par Laurent Gbagbo, aucun chef d'État n'a eu une rencontre officielle avec les 7 millions de fidèles évangéliques représentés par les pasteurs. Le jour où le président Ouattara rencontre les pasteurs évangéliques, le débat il est clos. Nos frères catholiques sont nos frères. Mais leur totem, c'est l'église évangélique. Les catholiques, on sent que quand les églises ont fini de parler, le débat est clos. Parce que quand les fidèles ont problème, c'est chez nous, ils viennent pour prier. Quand ça chauffe là-bas, il y a un pasteur, priez pour moi. C'est une vérité. Donc j'aimerais demander aux évêques de ne pas faire de l'église. Parce qu'au-delà de tout, nous avons un dénominateur commun qui est Jésus-Christ. Ne faites pas de l'église l'opposant du régime en place. Ils ne nous ont rien fait. Tout ce qu'on avait prédit comme persécution, aucune de ces persécutions ne s'est réalisée. Qui est l'homme le plus intègre en Côte d'Ivoire en matière de religion? C'est le président Ouattara. La preuve, sa femme est catholique. Il est musulman. Certains de ses enfants sont évangéliques protestants. Mais qui représente lui la laïcité? Mais c'est le monsieur! Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'on soit ridicule? Qu'on soit toujours dans le ridicule? À un moment donné, la soyons sages! Être vieux, porter une soutane, n'est pas symbole de la sagesse! Souvent, c'est des idiots qui sont devenus hommes de Dieu. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire dans le monde. Soyons sages, hein. Soyons sages. On a mis un pays en guerre. La guerre qui arrive en Côte d'Ivoire, c'est la faute des hommes de Dieu. C'est nous qui avons dit, Dieu nous dit. Conclusion, guerre. Conclusion, guerre. Maintenant, pardon. Portons nos soutanes, allons prier pour nos fidèles. Allons prier. Les révélations qu'on a là, que Dieu nous montre qui est le sorcier de nos fidèles. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La Côte d'Ivoire a assez souffert de vos bêtises de révélations prophétiques. À bon entendeur, salut. Je reviens sur mon sujet. Mes amis, la deuxième raison qui fait en sorte que les Africains sont les derniers, ils aiment maudire leurs frères. Ils aiment juger sans fondement. Ils aiment confesser la chute des autres. Partagez-moi la vidéo, je vais parler. Aïe. Je suis dans mon premier jour de jeûne. J'ai commencé 3 jours de jeûne. Je ne peux pas parler sur toi, ça ne va pas prendre. Je répète ce que je dis, s'il vous plaît. Ils aiment confesser la chute des autres. Quand vous maudissez, sachez que la parole sort d'abord de votre bouche. Donc elle va d'abord vous arroser avant d'arroser l'autre. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Les conséquences, Proverbe chapitre 13, le verset 3, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre grand dans ses lèvres court à sa tête. On dit mon général. Quelqu'un m'a appelé. Il dit, oh mon général, s'il vous plaît, je veux savoir pourquoi je suis pauvre. Tu es pauvre parce que tu dis que tu es pauvre. Tu es pauvre parce que tu dis de ta bouche que tu es pauvre. Sinon, en quoi tu es pauvre? Dis-moi s'il te plaît, je veux savoir. La Bible dit, Joël chapitre 3, le verset 10. Vous savez, la Bible est quelque chose qui me fait peur. La Bible dit, celui qui est faible, Joël chapitre 3, le verset 10, la Bible dit, que le faible dise, je suis fort. C'est-à-dire que tu es faible, c'est-à-dire que tu es pauvre, c'est-à-dire que tu es malade. Mais la Bible dit, tu ne dois pas dire que tu es faible. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le malade dise, je suis guéri. Pourquoi? La science démontre que lorsque tu dis dans ton esprit, je suis malade, ton système immunitaire commence à se comporter comme si tu es malade. Donc, imagine alors si tu dis, je suis riche. Si tous les matins tu commences à dire, je suis riche, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les 2000 personnes qui vont écrire, je suis milliardaire, tapotez les cœurs, mettez les cœurs. Les 2000 personnes qui vont écrire, je suis milliardaire, je prophétise sur vos vies. Je déclare sur vos vies. Je prophétise. Je te bloque encore, mon ami. Ta vérité, tu la gardes pour ton père et pour ta mère. Voilà. Ici, c'est ma vérité qui compte. Ici, là, c'est ma vérité. Il n'y a pas autre vérité. Ma vérité. Parce que je suis béni. Et je bénis tous ceux qui sont connectés. Je prophétise votre élévation. Mes amis, aujourd'hui, là, nous sommes au premier jour de jeûne. Demain, vous qui m'avez écouté, s'il vous plaît, prenez un jeûne de 6h à 18h.
Je répète, prenez un jeûne de 6h à 18h. Demain, à partir de 20h GMT. 22h de Paris. 22h de Paris. 21h du Cameroun. Nous serons 1h de direct. Parce que ma fille Kimi va jouer un match demain sur TikTok. Donc nous serons 1h de direct. Opération, mon général, dit une parole sur ma vie. Un homme rencontre Jésus. Cet homme est un Romain. Il n'est pas juif. Il vient dire à Jésus, Seigneur, mon serviteur est malade. Viens et guéris-le. Jésus dit, j'irai avec toi. Il dit, non, c'est même pas la peine. Seigneur, Jésus dit, moi, je vais aller avec toi. Parce que ce gars-là, malgré qu'il n'était pas juif, il avait conçu une synagogue. Jésus dit, je vais aller avec toi. Qui peut refuser à Jésus d'aller avec lui? Écris, je serai milliardaire. Écris, je suis milliardaire. Faut écrire, je suis milliardaire. La Bible dit, l'homme-là a refusé que Jésus l'accompagne. Écoutez-moi. Jésus dit, tu dis quoi? Il dit, je ne veux pas que tu m'accompagnes. Il dit, pourquoi? Tu as la chance de me voir t'accompagner. Il dit, non, Seigneur. Moi, là, je suis un Romain. Nous, là, on pratique l'occultisme. Nous, on fait la franc-maçonnerie. Jésus, je connais le mystère de la parole. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un seul mot et ton serviteur sera guéri. Le gars n'est pas juif. Vous, les chrétiens, allô, papa, faut prophétiser sur moi. Papa, je veux venir te voir. Tu vas prier pour moi. Papa. Le monsieur là, c'est un païen. Il dit, Seigneur, vous n'avez pas remarqué que les formations ne se convertissent pas. Ils ne vont même pas à l'église. Parce qu'ils savent qu'ils rentrent dans l'église là. C'est les gens bêtes qui sont assis là-bas. Les plus bêtes deviennent des chrétiens. Ils sont assis là-bas. Ils prennent leur sorcellerie du village pour amener ça à l'église. Leur méchanceté, leur mauvais cœur. Ils prennent ça, ils viennent s'asseoir à l'église pour persécuter tout le monde, pour insulter les pasteurs. Il n'y a pas plus mal élevé que les chrétiens. Allez regarder les musulmans. Tu ne verras jamais un musulman manquer de respect à son imam. Jamais. Les musulmans ne plaisantent pas avec la prière. Mais les chrétiens peuvent rentrer à l'église et puis le téléphone sonne et ils décochent. Allô, oui, je te rappelle. Un musulman peut décocher son téléphone en pleine prière à la mosquée. Assalam alak. Mais c'est un homme mort. C'est un homme mort. On dit jeûne. Les musulmans ne jouent pas avec ça. Quand on dit allons à la Mecque, les musulmans ne jouent pas avec ça. Mais les chrétiens, je suis à Paris. Le 1er juillet, j'aurai la plus grande convention pour prendre le contrôle des 6 prochains mois. Opération Tempête de Miracle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'adresse, c'est 22 rue Pierre Grange, 94 120 Fontenay-sous-Bois. Il y a des chrétiens qui sont ici, là. Ils ne vont jamais à l'église. Il y a des gens qui sont ici qui ne vont plus à l'église. Quand tu leur dis, ah mon général, c'est-à-dire que le samedi, là, moi, il faut prier pour moi au téléphone. Je veux bien venir, mais je n'ai pas le temps. Mais quand il s'agit d'aller baiser, ils ont le temps. Quand il s'agit d'aller dans des concerts païens, ils ont le temps. Quand il s'agit d'aller dans des cérémonies, les soirées Bamoun, plutôt pas les soirées les Bamoun. Hey, Bamoun, j'étais à vous saluer. J'ai pensé à vous tout à l'heure. Les Bamoun, félicitations. De la manière dont vous avez accueilli votre roi au niveau de la France, félicitations. J'ai vu que des gens voulaient saboter la venue d'un roi Bamoun au niveau de la France. Je tiens à féliciter les Bamoun d'avoir maté la rébellion. Il y a trois choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Numéro 1, la religion. Numéro 2, une réunion communautaire. Numéro 3, l'accueil d'un roi. C'est comme si on dit le chef Bamileke arrive. Tous les Bamileke vont aller se retrouver. Et puis des Bassa, des Bétis se mettent ensemble. Vous dites, nous allons aller boycotter l'arrivée du roi Bamileke. C'est une insulte à toute l'ethnie. Donc tu seras maté à la hauteur de ta rébellion, de ton impolitesse. Numéro 2, on dit un guidon religieux arrive. Toi, tu t'es là, il m'a boycotté l'arrivée. Ces fidèles vont te tuer pour ça. Ils vont te frapper au nom de leur père. Il y a des choses avec lesquelles ils ne s'amusent pas. Le combat politique ne rentre pas dans une réunion communautaire. On dit les Bamoun reçoivent le roi. Tu n'es pas Bamoun. Ferme ta gueule, mets-toi à l'écart. Si tu es trop fâché, tu prends ton avion, tu vas au Cameroun. Rencontre le président Paul Biya pour lui dire tes revendications. Ne fais rien à distraire les gens. Parlez de quoi ici? Et on dit non, tu ne dois pas parler parce que si tu parles, oh les gens sont violents. Qui est plus violent que les religieux? Les gens meurent au nom de leur foi. Qui est plus violent même que les Ivoiriens? Nous les Ivoiriens, ça là. Oh non, il y a longtemps, il y a mort d'homme. Nous chez nous, encore une fois, il y a mort d'homme. Non, chez nous, il y a mort d'homme. Les Bamoun.
Je suis assis, on m'amène des vidéos, je regarde, je dis, mais c'est pas possible. Il tape les gens, puis il dit, non, ne pleure pas. Et même, il tape. Et puis ceux qui filment, il les tape encore. On ne fait pas sortir des images. Attends, t'es méchant, hein? Les fondateurs même de cette lutte, moi je le connais. Eux tous ont dit, on change le système. Le système de boycott ne prend plus parce que personne n'a le monopole de la violence. Personne. Il faut changer le système. Ça doit être maintenant idée contre idée. Stratégie change. On fait les idées. On change le système. On parle d'autres choses. On met en fait des colloques, des débats. On organise des réunions sur TikTok et on fait des débats. On parle du Cameroun. Oui. Parce que qu'on soit d'accord ou pas, ceux qui dirigent aujourd'hui le Cameroun, dans 10 ans, dans 20 ans, même l'âge va les emporter. Donc c'est une génération qui va venir. Mais cette génération doit combattre par des idées, non pas par la violence. Parce que qui installe la violence sème ce qu'on appelle une guerre civile. Prenons exemple. Le roi Bamoun arrivait et quelqu'un le versait du pipi sur lui ou le tapait. Par inattention. Quelqu'un par respect pour sa culture et sa coutume va dire, je meurs pour mon roi. On sort de là, il y a mort d'homme. C'est tout le Cameroun qui est en deuil. Il y a des choses qu'il faut éviter. La sagesse nous enseigne que dans l'art de la stratégie politique, on débat sur le plan des idées avec un projet de société, un programme de gouvernement. Vous regardez parmi les leaders politiques, vous soutenez un. Tout autre combat, c'est de la voyousie. Ça ne passera jamais. J'ai dit, ça ne passera jamais. Parce que je le répète et je le dis, il y a trois choses qu'on ne combat pas. Réunion communautaire, réunion religieuse. Et la troisième chose, c'était quoi? La passion du sport. Ne vous amusez pas avec ces choses-là. Tu t'amuses à voir. C'est comme moi, je me lève, je dis, bon, écoutez, voilà. Moi, je suis soutenu le président Ouattara. Les gens de Babou à leur réunion, moi, je m'en vais saboter. Merde! Merde! Mais vous me chicotez à une dimension extraordinaire sous la base de les idées, les idéologies. Donc il y a des choses qu'il faut éviter. Au 21e siècle, on est arrivé là. L'ancien, la Bible dit, quand j'étais enfant, je me comportais comme un enfant. Au fur et à mesure, Nelson Mandela, c'était un terroriste. Ça, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Il posait des bombes. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Un matin, il a compris. Poser les bombes ne va pas faire avancer le combat. Il faut changer le système. Il faut former les gens sur le plan intellectuel. Ils ont amené leur cadre à être formés en Côte d'Ivoire, dans plusieurs pays. Et ensuite, ils les ont positionnés à des secteurs clés. Quand vous êtes en Europe, faites-vous des relations. Formez-vous en stratégie politique. Allez dans des écoles. Formez-vous. Et demain, quand Dieu là, le Cameroun est dans une révolution, vous apportez maintenant vos cadres. Nous, tel cadre, il a été formé en ingénierie. L'autre, il a été formé en sciences politiques. L'autre, il a été formé en temps. Il peut diriger le transport. Voici comment on peut développer un pays. Mais nous, la Côte d'Ivoire, on a connu la guerre civile. La guerre, nous, on a connu. On n'a pas entendu entre nous, on a fait la guerre. Je ne peux jamais conseiller, c'est un pays. Et quand vous touchez à des valeurs religieuses ou à des valeurs culturelles, ce sont les germes d'une guerre civile. Parce que toi qui viens saboter, là, on va te poser la question de quelle ethnie. Non, moi, ici, Bamileke. Depuis quand un Bamileke vient saboter les choses d'un Bamoun? Depuis quand un Bassa vient saboter les choses de... Tu sors d'où? Par rapport à quoi? C'est ton village? Non. C'est ton roi? Non. Tu es de la région? Non. Pourquoi? Attends, vous êtes combien? 11, 12. Oh! Nous, on est 600. Donc, toi, tu es plus Camerounais que nous. Tu es plus intelligent que nous. Ta voix compte plus que nous. Non. Mes frères, à partir de là, faisons attention. Le monde dans lequel nous sommes, le monde a changé. Les gens ont des problèmes. Ils se posent la question comment payer les factures à la fin du mois. Ne me prenez pas la tête. Changez le combat. Et je tiens à féliciter les premiers fondateurs. J'ai oublié un peu les noms. Il y a un gars qui a une barbe blanche. Il était au départ, il était bien vigoureux. Je le suivais. Il était dans le combat. Mais un matin, il a fait une déclaration qui m'a pris, dit, mes amis, c'est nous au départ, on faisait ça. On a compris que nous sommes plus en train d'attirer la haine des Camerounais. Donc, il faut changer le combat. Mon cher ami, je te félicite. Changeons le système. Nous sommes tous des Africains. Mais moi, je suis un expert en stratégie. Moi, c'est la stratégie. Cette stratégie, ça ne prend plus. Le peuple Bamoun a démystifié certaines personnes pour montrer que vous n'êtes pas invincible. Donc, à partir de là, changez le système. Organisez des colloques. Vous pouvez même organiser des grands débats pour parler du Cameroun. Invitez les gens. Pour dire, venons, on va s'asseoir pour parler du Cameroun. Débat contre débat. Idée contre idée. Mais dans un esprit, dans un bon ton.
dans un esprit républicain. Parce que vous devez convaincre des gens. Si vous les faites peur, ils ne viendront, ils ne vont jamais accepter demain que vous les dirigez. Parce qu'ils vont dire, vous, on ne pourra jamais vous critiquer. Donc, changez le système. C'est un aspect de la haute stratégie de la marmaille qui vous parle. Ce n'est pas mon pays. Mais je donne seulement mon point de vue en tant qu'influenceur. Voilà, je m'appelle Atangana. C'est juste mon point de vue que je donne. Nous là, nous sommes les plus violents en Afrique. Demandons les autres. Nous, on se tape jusqu'à la mort d'homme. On fait la guerre. Et puis on est content de faire la guerre. Après, on dépose les gens. Bon, les gars, il faut qu'on fasse la paix. On a vu que la guerre n'y a rien. Après qu'on se tape encore, on a constaté que ça ne va pas quelque part. C'est nous, on peut donner aujourd'hui conseil aux autres. De faire très attention. Le Cameroun est sur le point de connaître un changement radical. J'ai fait un son il y a à peine 2 jours. Le songe m'a fait peur. Je ne vais pas le révéler ici. Mais le songe m'a fait peur. Soyez des hommes d'idées. Le combat rapport de force ne peut jamais apporter quelque chose au Cameroun. Parce que déjà, vous êtes des costauds. Imaginez que la violence s'installe parmi vous. Mais ce sera la débandade. Or, vous êtes une référence. En matière de culture, en matière de respect des valeurs africaines, je tiens à saluer les Bamoun. Vous êtes un peuple à saluer. Que Dieu vous bénisse. Revenons maintenant à notre sujet. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça c'était une parenthèse. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous révéler quelque chose. La Bible dit, Matthieu chapitre 12, le verset 36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Le pouvoir de la parole. Aujourd'hui, là, je ne veux pas, je vais couper le sujet en deux, parce qu'il est déjà 5:00. Je ne veux pas rentrer trop en profondeur. Comment utiliser la parole pour devenir riche? Comment parler et puis l'argent vient? Ce secret là, ce sont les 3000 personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp 00225. Je vais vous envoyer ce livre dans lequel je parle du pouvoir mystique de comment parler, quelles sont les déclarations qu'il faut faire pour toucher l'argent. Quand ton mari est parti, comment il faut parler pour le faire revenir? Les 3000 personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. Je vous envoie la prière, je vous envoie gratuitement le livre. Aujourd'hui, là, ce que je veux que vous reteniez, c'est que par vos paroles, vous vous êtes détruit. Le gars, son serviteur est malade. Il dit, Jésus, dis seulement un seul mot. Jésus a dit, depuis que je suis en Israël, c'est le seul homme que j'ai trouvé qui a plein de foi, qui est rempli de la foi. Ce gars n'était pas chrétien. Il était romain. Mais pourquoi les chrétiens qui vont à l'église sont les plus misérables? Parce que tout ce qui sort de leur bouche sont des problèmes. Ils passent le temps à expliquer, même qu'ils sont en train de prier. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. J'ai trop de problèmes. Papa, ça ne va pas. Papa, ma vie est compliquée. Allez, allez. Ils vont même avec les machettes à l'église. Je vais taillader le diable. Je vais découper les sorciers. Laissez ça. Les formations n'ont pas besoin de ça. Ils s'asseyent et ils commencent à parler. Mon entreprise prospère. Tout le monde répond, mon entreprise prospère. Ma vie avance. Ma vie avance. Je suis le plus riche. Je suis le plus riche. Je serai président. Je serai président. J'aurai 1 milliard dans un mois. J'aurai 1 milliard dans un mois. Ils ont appris ce qu'on appelle le pouvoir de la parole. Je vous pose une question. Pourquoi les musulmans se réveillent tous les jours à 4h du matin, 5h du matin pour se diriger vers le soleil et parler? Je vous montre ça dans la Bible. Je vous montre ça. S'il vous plaît, je vous montre ça rapidement. Job, chapitre 38, le verset 12, c'est dans la Bible. La Bible dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu monté sa place à l'aurore? C'est la Bible qui le dit. Dieu pose la question à Job. L'histoire de Job a existé avant Abraham. Il demande à Job, est-ce qu'il a déjà parlé au matin? À 4h du matin, où sont les chrétiens? Ils dorment, ils ronflent et ils pètent. Ils dorment, ils ronflent et ils pètent. Mais où sont les musulmans? Allahu Akbar. Matin, vous vous levez. Qui contrôle l'argent? Les musulmans. Qui contrôle l'immobilier? Les musulmans. Qui contrôle le pouvoir? Les musulmans. Allez en Arabie Saoudite. Allez au Qatar. Là-bas, la paix ne marche pas. La France ne peut pas les convoquer pour dire nous allons prendre le chemin de protester. Jamais. Parce qu'ils ont le pouvoir financier. Mais pourquoi les chrétiens sont toujours en arrière? Parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est combattre. On va briser les sorciers. On va briser les démons. Ils ne voient que les démons. Ils ne voient que les sorciers. Ils ne voient que les problèmes. Ils ne voient que le malheur. Mais ils vont vivre les malheurs. Ils vont vivre les problèmes.
Parce que ce que tu vois dans ton esprit, c'est ce qui t'arrive. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Je vais vous montrer un homme. Non, ça, c'est demain, je vais parler de ça. Je ne peux pas tout dire ce soir, maman. Si j'ai dit tout ce soir, ce n'est pas bon. Il est interdit de pleurer. On ne pleure pas. Il y a des choses. Il y a des choses. Quelles sont les 12 déclarations prophétiques pour annuler les décrets sataniques sur ta vie? Tu ne connais même pas. Les 12 déclarations. Demain, tous ceux qui vont jeûner de 6h à 18h. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dès qu'on dit 20h GMT, 21h du Cameroun, 22h, heure de la France, soyez connectés. Tous ceux qui sont en France, je vous regarde droit dans les yeux. Malheur à celui qui va rater le programme du 1er juillet. Cet élément, ça m'a coûté 15 000 euros pour 500 personnes. Je vais le remettre gratuitement. Moi, je ne suis pas un comédien. Je viens d'acheter ma deuxième maison en France. 250 000 euros. Je ne parle pas avec quelqu'un. Ma première maison, la voici. C'est là où je suis. Voici tous les papiers de notaire. Tous les papiers notariés. Les voici. Tous les papiers de notaire. C'est bel et bien marqué le nom de mon entreprise ici. Makoso Camille. Makoso Camille. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton égal. Pour les petits blogueurs influenceurs qui parlent de moi, sachez que je ne suis pas votre ami. Je suis un millionnaire. Je contrôle les finances. La maison que j'ai achetée, c'est un de mes fils qui l'a prise. Footballeur qui vient de signer un nouveau contrat. Donc, vous me parlez de quoi? Tu veux être riche? Tu viens en Europe, en Belgique, en Allemagne, en France. Le premier chez, faut pas descendre sur Paris. Maintenant, ceux qui veulent aller en Israël, cette année, il n'y a que 120 personnes qui iront en Israël avec moi. Du 4 août au 12 août. 120. Actuellement, il ne reste que 20 places. Quand vous allez arriver en Israël, la première des choses que le grand rabbin de Jérusalem va vous remettre, c'est ça. Ça s'appelle le parfum royal. Ce parfum que je vous présente fait 1800 euros en Israël. Il va vous le remettre gratuitement. Ça, ça fait 1800 euros en Israël. Il va vous le remettre gratuitement. Le pèlerinage plus le billet d'avion fait 1800 euros pour ceux qui vivent en France. Donc, si je paie 1800 euros, général, le 4 août, je vais avec toi en Israël pour 8 jours, sur la terre de Jésus. Je vais visiter tous les sites. Et puis, je vais avoir le parfum royal qui coûte 1800 euros. Donc, finalement, je n'ai rien payé. Deuxième chose que tu vas recevoir, c'est ce livre de psaume. Je vais vous montrer ça en retournant, s'il vous plaît. Parce qu'il faut bien le monter pour que les gens comprennent. Ce livre de psaume est différent de tout ce que vous avez eu. Regardez-le bien. Ce livre de psaume, c'est le plus puissant. Pour la réussite, on te montre à quelle page il faut partir. Quel psaume il faut rencontrer. Contre un chien méchant. Contre le mauvais penchant. Pour aller à la guerre. Pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Pour un possédé des démons. Pour plaire. Pour trouver grâce. Pour conjurer la paix. Si vous craignez vos ennemis, quel type de psaume il faut raconter? Ce livre-là, les juifs ne le remettent à personne. C'est un livre sacré des psaumes que les rabbins utilisent. Ils vont remettre cela à tous ceux qui iront en Israël avec moi cette année. La troisième des choses, c'est ce qu'on appelle le coffret de miracle. Ce coffret est un coffret dans lequel les juifs ont mis la tablette de Moïse, c'est-à-dire les lois de Moïse. Quand tu as un sujet de prière important, tu le mets dedans, tu fermes le coffret tranquillement et tu le gardes. Tu veux marier un homme, mets sa photo, tu gardes. Ces trois éléments seront remis. Et ces trois éléments font une valeur de 2500 euros. Donc, le pèlerinage du général Camille Makoso n'est pas un pèlerinage de découverte. C'est un pèlerinage spirituel avec 8 jours de convention de miracle tous les soirs. On se réveillera à 6h du matin avec vous. Vivez avec moi en Israël pendant 8 jours. Ce n'est pas mon premier, ni mon deuxième, ni mon troisième, ni mon quatrième, ni mon cinquième pèlerinage que j'organise. Ne va pas en Israël qui veut. Vous pouvez aller vous balader en Israël. Mais le cœur d'Israël, ce qui permet aux Juifs d'être les hommes les plus puissants, vous ne l'aurez jamais. C'est quand vous voyagez avec le général. Et c'est la première fois que le rabbin de Jérusalem va consacrer des personnes pour la première fois qui iront en Israël. Donc, qui veut aller en Israël? Que tu sois en Côte d'Ivoire. Ceux qui ne sont pas de la France, ils payent 1500 euros et eux-mêmes, ils s'occupent de leurs billets d'avion. Que tu sois au Canada, aux États-Unis, écoute-moi très bien. Le numéro de téléphone qu'il faut contacter
pour participer au pèlerinage en Israël est la secrétaire mondiale qui s'appelle Louise Dreux. C'est la secrétaire de la France. Donc tous ceux qui sont en France, même qui veulent participer à la convention de ce samedi, si vous avez besoin d'informations, c'est la secrétaire qu'il faut contacter. Moi, quand vous me contactez, c'est pour recevoir la prière. Mais elle, elle vous donne les informations sur le pèlerinage. Pour ceux qui veulent partir, il ne reste que 20 places. Son numéro de téléphone WhatsApp est le suivant. Prenez-le. Prenez son numéro, je suis à la fin. Demain, je continue sur le pouvoir mystique de la parole. Et demain, je vais vous montrer les 12 déclarations qu'il faut faire pour annuler sur votre vie les décrets sataniques que le monde de la sorcellerie. Parce que le diable parle, le diable t'a maudit. Quelles sont les paroles qu'il faut raconter? Parce que quand David a été menacé par Goliath, il ne s'est pas tué. C'est parole contre parole. Et la parole de David, du fait qu'il est venu au nom de l'Éternel des armées, il a gagné. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang et par leur témoignage, c'est-à-dire par leur parole. Le numéro de la secrétaire pour le pèlerinage en Israël, c'est le 00337. Je répète, la dernière date limite pour s'inscrire pour le pèlerinage, c'est le 1er juillet. Le 1er juillet, chaque pèlerin doit avoir finalisé son paiement pour le pèlerinage en Israël. Tu n'as pas tes 1 800 €, prends tout ton salaire, prends un crédit, bats-toi, prends tes congés maintenant. Mais du 4 au 12 août, tu es obligé d'être en Israël pour toi-même bâtir l'alliance de ta famille. Car la Bible dit, toutes les familles de la terre seront bénies en Israël. Et Salomon a dit, si un étranger vient de loin, tu iras jusqu'au mur de lamentation. Au lac de Galilée, vous allez prendre l'eau de la mer de Galilée. Là où on fait le planting d'arbres, vous allez prendre la terre d'Israël pour revenir dans votre pays. Vous n'êtes pas peut-être de mon église, mais vous rêvez un jour d'aller en Israël dans un pèlerinage structuré et un pèlerinage spirituel. C'est ce pèlerinage qui est conduit par des juifs chrétiens. Son numéro est le 00337. Prenez son numéro. 00337 60 15 07 50. Je réponds 00337 60. Ensuite 15. Ensuite 07. Ensuite 50. Dès maintenant, veuillez la contacter. Appelez-la maintenant. Dis ma soeur, je veux participer au pèlerinage en Israël. Toutes les autres personnes qui vont suivre cette vidéo, je vous envoie gratuitement mon livre qui vous parle des secrets de la réussite. Et je vous remets gratuitement la prière de Jérusalem. Vous m'écrivez sur mon WhatsApp maintenant au 00225 07 48 79 85 85. Les 2000 premières personnes qui vont m'écrire, je vous donne seulement 24 heures après cette prière pour rendre votre témoignage. Je vous aime. Rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse. Shalom.